think it's true, do you? No, I don't. If you had any real balls, you'd jump off that bridge. Same thing happened to Max could happen to me. Did you hear what I said? Nothing's gonna happen to you.
Allez, salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Blue Lady et Cool Sharks, merci de passer, ça fait plaisir, c'est Cool Sharks et Blue Lady pour vous servir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 27e étape du Joe's World Tour, 27e étape où nous allons partir de Malte pour rejoindre l'Algérie. Donc un bon petit vol en perspective qui va durer 1h46 minutes de vol pur, je pense, donc c'est parti pour cette 27e étape, mais juste avant, je vais laisser Juju un petit peu parler. Oui, alors bonjour à tous en ce dimanche. Ça me fait encore super plaisir d'être parmi vous sur ce live, d'être en duo avec mon doudou, oui. Alias Cool Sharks, alias Joe, en fonction de comment vous l'appelez, voilà. Et bah voilà, j'espère qu'on va passer un bon moment, mais en général c'est le cas, donc il n'y a pas de raison. Et puis voilà, on va voler et voyager comme d'habitude en votre compagnie. Voilà, voilà. Et comme d'habitude, on va procéder au petit bonjour comme d'habitude, hein, oui. Par politesse. Donc salut Ghost Falcon, salut le passionné des Massés, salut Steve Florentini, salut mon Manicle, salut Ulysse, salut Captain Mill, salut Fabrice Petit. Salut Grenette, salut Uji, salut Abassi, je me rappelle plus si je l'avais dit, mon petit Abassi, j'espère que tu vas bien. Salut MCEP, salut Shen Bobby, salut JP972, ça ou fait, ça camaché tout bonnement. On poursuit, salut Cruchot, comment vas-tu Cruchot, c'est la forme. Hop, salut Slavo Hazard, salut Olivier Sénin, comment vas-tu? Salut Yuzi, salut Itsuji, salut Fabrice, salut Tristan, salut Luizzi, comment allez-vous les amis? C'est la forme pour vous? J'espère que vous allez bien. Salut Garkion, salut à toi, comment vas-tu? Force Bio, salut à toi, bienvenue, comment vas-tu? C'est comme la forme pour toi? Comme d'habitude, il y a du monde. Et merci à tous. Il y a du monde, c'est incroyable. Déjà aussi nombreux, hein, oui. Que quelques minutes de live, c'est tout. Donc merci à tous et je vois que tout le monde me salue aussi, donc salut à tous ceux qui voilà. Me font coucou dans le chat là, tout le juste temps, là. Bah, du coup, c'est vrai que ça fait plaisir, voilà, bah ouais, carrément. D'être parmi vous en live. Comment ça commence là? Déjà chez le Bobby. Chez le Bobby qui donne déjà 5 euros pour la chaîne. Merci à toi. Les bons commencent. On n'a même pas commencé le live encore. Merci à toi. Merci de ta générosité. Ça fait plaisir. Des gros GG dans le chat pour chez le Bobby, les amis. Merci pour ton don de 5 euros. Merci beaucoup, chez le Bobby. Merci. Il y a Alicia qui vous fait coucou. Qui fait un petit la petite main. Voilà. Donc merci. Ouais, un grand merci à toi, chez le Bobby. Tu démarres déjà. Et oui, démarre déjà très très fort. Force Bio, ça va bien, la F1 se termine et j'enchaîne avec un vol de Joe, nickel. Ah bah ça c'est super, ça c'est super. Tristan, alors c'est Juju qui prend le manche aujourd'hui? Je vais peut-être aider à faire 2-3 manips, hein, voilà, mais ouais. De là à faire tout décollage atterrissage, c'est pas prévu. Calumé Joe, salut à toi, comment vas-tu? Merci pour les GG pour Shell Bobby, les amis. Salut mon Pouletos, comment vas-tu? Bienvenue sur le salut, live. Coucou à la pupus de Manicle, yes, pas de souci. Shell Bobby, je suis en live aussi pour ton vol. Ah, excellent, excellent. Ouais. Fabrice, aujourd'hui, copilote, c'est voilà, ça. Sébastoche, salut à toi, comment vas-tu? Salut Joe et enchanté Julie. Je n'avais pas pu faire le dernier live avec vous. Impératif familial, mais il n'y a pas de souci, l'ami. Itsuji, salut Pouletos, Pouletos, bonjour tout le monde, le passé, salut mon poulet, comment ça va mon poulet? Et t'as vu, Achille Boubi qui a écrit KFC tous 85, c'est ça. Pour dire est-ce, poulet. Est-ce que t'as ramené la carotte du bonhomme de neige mon poulet? Moi j'ai pas la forme au max. Ah, rip le passionné des massés. Ghost, Monjo, tu dois voir que je suis pas souvent là le soir, je suis à fond avec mon joujou. Ah, tu as reçu le télescope. Tu m'étonnes. Ah, t'as bien raison, profite. Pouletos, Joe, tu es mignon. Mort de rien. Tristan, bon, moi je file, je vous laisse. Have a good flight, les amis. Yes, thank you very much. Merci. For watching my stream, guy. Merci à toi, l'ami. Merci à toi. Merci d'être passé, ça m'a fait plaisir. Pouletos, oh oui. Calumé Joe, Calumero. Ah oui, pardon, ok, le J se dit comme en Espagne, comme ouais. En espagnol. Calumero. Comme Calimero aussi, Calumero, okay. Je crois que c'est avec un. Je crois, avec un J, il me semble, non? D'accord, ben, ça doit être un nom espagnol je alors. Je crois.
pour les toasts. Juju, toujours ravissante, mort de rire. Didier, salut à toi, comment vas-tu? Salut, beaucoup plus fan d'aviation. Merci, merci. Allez, je vous mets la page de jeu, bien évidemment. Pouk, la voilà. J'essaie de rattraper... Luigi, c'est quoi ton avion préféré du côté Boeing? Je sais. Ouais, Juju, elle le sait, donc elle va répondre. Le 777. Voilà. Peu importe les formes. Le 737-800. Ouais, ouais. Le 737 NGX ou le 737 NGXU? Ou le 737 Max? Le passionné, ma sœur, a attrapé le virus. Ah bah mince, alors. J'espère que ça va aller. Bon rétablissement à ta sœur, alors. N'hésitez pas à me dire si la musique, à nous dire si la musique elle est trop forte. Mmh. D'accord? On réduira un tout petit poil s'il faut. Hop. Pouk. Petit réglage caméra. C'est ça. Philippe, bonjour Joe et Juju et à toute la compagnie. Salut à toi Philippe, bienvenue Philippe. Sur le live. Merci de passer, ça fait plaisir. Comment vas-tu Philippe? Fabrice, il y a du monde derrière toi. Oh, j'imagine, j'ai même pas encore pris le temps en de regarder. Oh. Oh oui, vous êtes nombreux à accompagner. Mais c'est quoi? C'est une aide, c'est une aide d'honneur d'A320 là. Oh là 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 là, le nombre que vous êtes encore une fois. Wow. Moi ça, ça m'enjaille, hein. Ça m'enjaille à mort. Je kiffe ça quoi. Je kiffe ça. Yep, ce soir je t'envoie des snaps de la Lune et Jupiter si je la vois. Bah, pas de souci, avec plaisir mon Steve. Ouais. Captain 1000, attention pour la 32NX, l'ILS ne s'est pas rentré automatiquement aujourd'hui, fais gaffe. Bah, de toute façon, ça tombe très bien puisqu'on va atterrir en piste 5 et la piste 5 ne donne, n'a pas d'ILS. Voilà. Pouletos, faut que je remette mon slip. Ah, il s'est encore échappé, il s'est encore évadé. Garkion, 777-300ER pour moi. Ok, nice. Nice. Très bon choix, très bon goût. Ulysse, il se passe quoi sur la 32NX? Bah écoute, pour l'instant tout va bien pour ma part. Donc, Shell Bobby, quelle est la piste de départ et d'arrivée s'il te plaît? La piste de départ c'est la 31 et l'arrivée c'est la 05. Voilà. Je pourrais même vous passer le routing complet. Bougez pas. Hop. Et du coup, j'avais annoncé une altitude. J'avais annoncé une altitude de 38 000 pieds. C'est en faisant mon plan de vol hier. Aujourd'hui, les conditions météorologiques ont changé. Du coup, ce sera une altitude de 34 000 pieds. Donc, FL 340. Hein. Alors, le passionné, c'est merci pour votre soutien, les amis. Ça fait chaud au cœur. Bah, pas de soucis. Ah. Luigi, le max j'aime bien et le triple X aussi. Triple 7 je pense que t'as voulu mettre. Captain 1000, ok, bon apéro. Bon apéro? Je sais pas si c'est ça que t'as voulu mettre. Bonne approche peut-être. Peut-être, ouais. Pletos, Joe, tu veux une blague d'un Corse? Vas-y, balance. Captain 1000, approche à vue, c'est ça. Okay. Tout à fait. Luigi est du côté d'Airbus 320 Neo et 21 Neo aussi. Ok. Luigi, bon, maintenant que j'ai du temps, je vais pouvoir enfin reparticiper à la fin de ce tour du monde en cockpit partagé. Excellent. Philippe, pour l'instant, tout va bien. Très bien. Luigi, as-tu vu les photos de la 380X? Oui, je les ai vues, Luigi. Je les ai vus. C'est très beau hein, ce qu'ils font. Hein. Mais j'ai hâte de l'avoir. C'est une dinguerie, vous avez déjà atteint les 100 messages sur le chat. On a à peine commencé. Les 100 messages sont déjà pétés. Donc merci beaucoup, merci à vous. C'est grâce à vous tout ça, les amis. Ghost Falcon. Les tosses avec tous les morpions qu'il y a dans le caleçon, ils bougent seuls. Mort de rire. Garkion, G09 sur série X. En approche ILS. Ok, moi du coup avec le méta actuel et les propositions de piste, du coup, comme tu peux voir, je suis en approche en piste 05. Il y a Thibaut qui dit bonjour à vous deux, comment faire pour participer à ce vol? Salut Thibaut. Salut Thibaut, bienvenue, merci. Pour y participer, rien de plus facile, tu peux m'ajouter en ajoutant, bon là on le voit pas très bien, on le verra mieux quand ce sera en vol, voilà je vais faire ça comme ça. Tu vois mon blaze ici là? Ça c'est mon nom sur le jeu, donc tu peux m'ajouter en ami sur le jeu. Je suis toujours sur les serveurs Europe de l'Ouest en temps réel.
Et tu peux m'ajouter, j'accepte tout le monde, c'est CoolShark72 en majuscule. Et voilà, après, n'hésite pas à rejoindre le Discord, je publie mes vols en général la veille pour le lendemain. Donc voilà. Chez Bobby, c'est une DOR la 05? Oui, une VOR, ouais. Yo tout le monde, salut Frex. Salut Frex, comment vas-tu? Chez Bobby, fais-toi plaise, mon KFC-tos. Ça, c'est pour Pouletos. Ouais. Captain Mill, mon clavier. Le passionné démassé, quelle manie fait peur aux voleurs. Oh là là. Je sais pas. Fabrice, pour l'arrivée, tu prends le vent 5, c'est ça. Pouletos, qu'est-ce que fait deux avions quand ils s'écrasent? Aucune idée. Whitecakes, salut, comment vas-tu? Salut Whitecakes. Captain, tour du monde 737 PMDG prévu pour l'instant? Non, j'ai pas prévu de prochain tour du monde pour l'instant. J'ai prévu des vols après ce tour du monde, mais pas forcément du tour du monde, peut-être du tour national, tour d'un pays, tour de plusieurs pays, etc. Tu vois. Woodsy, le Beluga, il est trop moche, même si c'est un cargo mort de rien. Il a son charme, moi j'aime beaucoup le Beluga quand il a ses peintures de Beluga justement. Ulysse, hier j'ai lancé l'update de Fly By Wire, ça m'a mis trop long à charger, ouais bizarre. Roscoe, salut à toi, comment vas-tu? Je te tiens au courant pour le TCA Yoke de chez Boeing, vas-y dis-moi tout Roscoe. Chez le Bobby, mon jeu a crash, le pompon pour un jeu d'avion. Oui, tu m'étonnes. Philippe, normalement je suis à ta gauche. Ok, très bien. Très bien. Tu dois être là Philippe. Ah oui, Phil, ouais. Ça doit être Philippe. Putain, le nombre d'avions. Le nombre d'avions. Ok, les amis, je me lance. Hein, on va commencer à réaliser le Cold and Dark, sinon on va pas le réaliser, malheureusement. Vous êtes tellement nombreux. C'est un truc de dingue. Allez, c'est parti. Hein. En tout cas, j'espère que ça va pour vous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Le temps n'est pas avec nous, malheureusement, mais... Mais bon, voilà, on est en votre compagnie, c'est déjà un honneur de partager cette 27e étape du Joe's World Tour en votre compagnie. Donc voilà, que du bonheur, que du plaisir. On voit que t'es habitué, ce que tu fais vite. Ah oui. Allumé, à tout allumé. Voilà, même si c'est inopérant, je l'active quand même. La réponse à la mamie, c'était la mamitraillette. Ah non. Je sais plus c'était quoi la question. Quelle mamie fait peur à un voleur? Fait ouais, plus peur à un voleur. Ma mitraillette. Oh la vache. Mort de rire. Et Sam, la réponse à deux avions qui s'écrasent, qu'est-ce qu'ils font? C'est ils font boing boing. Oh non, boing boing. Bien joué. Chez le Bobby, tour de Corse. Lol, c'est corsé. Ouais, ça peut être sympa. Hein. C'est beau la Corse. Il a mis ses corsés. Ah oui? Il a fait un jeu. C'est ça. Yuzi te demande si t'as le bug de la météo où il fait 500 degrés. Combien? 500 degrés? Ouais, qui demande quoi? As-tu le bug de la météo où il fait 500 degrés? Non, non, là non, je suis à 13 degrés. C'est Yuzi qui demande. Ok. Mon bloc fuel, 7164 kilos. C'est parti. Et Steve, il y a Sam qui peut mieux faire au niveau de la blague. Grenette60 qui dit c'est dommage que je n'arrive pas à maîtriser la 320, mais un jour viendra. Ça va venir, t'inquiète pas, reprends mes vidéos petit à petit, avance tranquillement et tu verras, ça rentrera petit à petit, ce sera top quoi, ce sera top. Ulysse dit qu'il a réinstallé FlyWire et c'est bon. Ok. Sébastien, j'en profite aussi pour te remercier de nouveau concernant les deux derniers petits tutos que tu nous as fait sur le Fly By Wire. Mais de rien, c'était pas grand chose, mais je sais que ça pouvait aider, donc je me suis fait une joie de vous partager ces vidéos. Et puis j'en ai d'autres qui vont arriver. J'en ai une qui va concerner d'ailleurs on va même le voir en live là tout à l'heure, comment pouvoir, vous avez vu que sur la carte VFR le plan de vol ne s'affiche plus maintenant. Ok, mais par contre on peut le consulter sur notre navigation display. Donc on va voir comment on peut consulter son plan de vol, enfin naviguer sur notre navigation display. Ça, ce sera un prochain tuto. Oui. Non, pas pour l'instant. Allez, va. Il y aura un deuxième tuto qui va arriver très prochainement. Ça, c'est pour un abonné qui me l'a demandé. Sur LucarTool, un tuto pour savoir comment activer l'ATC live, en live. Donc un ATC, vous ne discutez pas avec, mais vous entendez l'ATC en direct, en fait. Les vrais ATC pendant votre vol.
donc c'est plutôt sympa. Et il y aura un troisième tuto qui est en préparation, ce sera le profil de l'A32NX officiel, stable ou développement, que l'on peut importer directement sur SimBrief. Voilà. Il y a Captain Nick qui demandait le lien du Discord, donc si, même si quelqu'un peut lui mettre... Ouais, si quelqu'un peut mettre le lien du Discord, voilà. Sinon le Discord Captain Mill, il est sur YouTube, il est dans ma description YouTube. Là. Si jamais, voilà. Donc là, on est refuel. Donc ça, c'est super. Hop. Le Captain Lee, il demande aussi si c'est un bug, le fait qu'il y a des vents de fou sur MSS. Non, bah, tu sais que des fois, en altitude, ça souffle très fort. Hein. Ouais. Ah ouais. Donc là, je suis bien raccordé. Ok. Ah non, Sam qui dit, autrement, si vous voulez que Cool Sharks enlève la casquette, tapez 1. Le slip, tapez 2. Chel Bobby est mort de rire. Le maillot Steve, il a mis un 2-3 lui. Et Sam, il met le maillot tapé 3. Du coup, Steve, il dit les 3 lui. Voilà. Il est gourmand, Steve, il est gourmand. Ça, c'est après le live pour moi, ça. C'est ça. Captain Mill, vraiment merci pour les tutos. Flyballwire, ça a changé ma manière de voler. Captain Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Merci à toi pour le retour. Et Sam qui dit un strip, mais sans juju, mort de rire, tapé 5. Il est où ton tapé 4, Sam? Une autre chose qui est à retenir, moi quand je fais mes plans de vol, je mets pas de cargo sur SimBrief. Par contre, vous avez vu, vous avez 3 tonnes de cargo automatique. D'accord? L'autre jour, je me suis amusé à trifouiller et à vouloir les retirer parce que j'avais pas mis de cargo. Mais en fait, non, ça fait partie, même avec zéro cargo, ça fait partie du poids. Parce qu'en fait, ça, c'est les 3 tonnes de bagages de nos passagers, en fait. Voilà. Hop, c'est parti. On laisse les passagers embarquer tranquillement. Le passionné des Massets qui dit « Bon, les gens, je vous laisse, je vais me changer les idées. » Bon, bah, bon courage. Il n'y a pas de souci, l'ami. Bon courage à toi et bon courage à ta sœur, surtout. Ça. Captain Lee, il a mis OK, merci pour le Discord, je pense. Ouais, il n'y a pas de souci. Ulysse, il dit 1. Il dit 1, c'était la cachette. Sam, oh oui, tu es raccordé, mon poulet. Oh oui. Captain Lee, en fait, il y a des fois, je me suis retrouvé avec 80 nœuds, vent sur l'entièreté des États-Unis. D'accord, 80 nœuds, mais au sol ou en altitude? Le passionné des Massets. À bientôt, Joe et Juju. Bon live et bon après-midi. À bientôt. Gros bisous à toi. Pendant que ça embarque. T'as mis l'embarquement en fast. Ouais. Ouais. Je mets pas en instant parce que j'aime pas quand on clique et boum, ça y est, c'est, ouais, voilà, c'est chargé. T'as mais vu, j'ai suivi ton tuto. Hein. Oui, voilà, je vois ça. Je vois ça. La seule chose que je laisse en réel, c'est l'alignement des ADIA. L'alignement des IRS, le fait que tout s'aligne avec les satellites. D'accord. Ulysse qui dit « Je suis passionné d'avion ». Ah oui, bah ça, j'ai vu ça, Ulysse. Ah oui, 80 nœuds au sol, ah oui, c'est énorme. Effectivement, là, oui. Ça aurait été en l'air encore, pas de problème, mais au sol. Salut, mon Salut, Strix. Oui, ça va nickel, et toi, comment vas-tu? Oui, Strix, il met coucou mon Joe, hein. Donc moi je compte pas. C'est ça. Salut Strix. Je retiens. Salut à toi Julien, comment vas-tu? Bienvenue sur le live. Salut Julien. Naughty Calls, comment vas-tu? Bienvenue, c'est la forme. Julien, pareil, t'as vu la liste. Les toasts, oui, aligne-moi. Julien, il a mis salut Blue Lady, t'as vu, toi c'est pareil, il a pas mis Cool Sharks. Ouais, je vois du ça. Coup, voilà. Je vois ça, Julien, là, ok. C'est que toi, là, okay. C'est que moi. Très bien, très bien, je vois les préférences. Orozco, je vous rejoins pour le vol. Ok, va, pas de soucis. Du coup, j'ai pas pu lire, Orozco, ce que tu en penses du yoke Boeing, du coup. Captain, par exemple, là j'ai 77 nœuds de vent au FL350 et ça va, mais sur la piste c'est chaud. Ah oui, tu m'étonnes. Salut Flight et compagnie. Kriasmar, je suis allé jusqu'à 120 km en l'air, moi. Ouais, j'ai même eu plus que ça, moi j'ai déjà eu 240. Oh non, Strix, il met coucou ma DS aussi. Ah oui. Ma DS, il m'a appelé. Hein. Strix. Ok, calme-toi, Strix. Calme-toi, je sais qu'en ce moment t'es très Citroën, non, mais non, là tu te calmes. Je suis, non, je suis la DS de Kouchard. 24,5. Mais c'est mignon quand même.
Strix tranquille, je viens in-game vous rejoindre. Ok Strix, pas de soucis. Y'a pas de soucis, avec grand plaisir. Dasmar, et bonsoir à toi. Julien, moi ça va bien. Ah bah c'est le principal, c'est ce qu'il faut. Sébastoche, comme toi Joe, je ne quitte jamais ma vapote. Ah. C'est ça, c'est ça. Salut Kimi, comment vas-tu? Et nous, ça va très bien, je te remercie. Orozco, je ne l'ai pas encore. Je te tiens au courant le 25 décembre, je te dirai sur Insta. Ah, avec grand plaisir, pas de soucis. Strix, il m'évacue, faut que je m'excuse. Faut que je m'excuse à Juju. Le bloc fuel, ça ne marche toujours pas, les amis, hein, donc 7140. Salut Yves. Salut Yves. Bonjour à vous deux. Alignement IRS veut dire alignement des plateformes inertielles, des toupies. Mettre tes coordonnées à jour. C'est ça. C'est ça. Salut à toi Yves. J'espère que tu vas bien. Tac. Kimi, coucou Samuné. Strix, il veut se faire taper par Joe. Kimi, c'est ça. Comment vous allez aujourd'hui, Juju et Joe? Ça va, Kimi? Ça va nickel. Très bien. Ouais. Et toi, on espère que ça va aussi. Julien, il te demande, tu pars quand? Bientôt. Mm. Piste 31, les amis, il me semble que c'est par GZ3. C'est ça. D. On insère. Itsuji, j'ai un FPLN discontinuity, il n'y a pas de souci. Ouais. Vous Itsuji, allez voir. Il te demande si tu as appris tout en autodidacte. Bah oui. Oui, hein. Oui. Bah t'en es témoin, Juju. Oui. Hein. Mm. Vore 5. Thibaut demande envoyer commandant. Petit vol avec vous à tout Thibaut. Ah voilà, exactement. Okay. Pas de soucis l'ami, pas de soucis. Demande envoyer commandant. Ok, bah je vais l'accepter tout de suite. Ah bah je vois que vous êtes plusieurs. Mm. Hop, pendant que j'ai pas encore décollé. Voilà, c'est ça. Toc. J'en profite pour vous ajouter. Kimi a dit que ça va, mais elle se l'écaille. Alors t'as combien de température Kimi au Maroc? Si tu te l'écailles, parce que nous, je pense que ça. On bat, on te bat, je pense, niveau température. Alors ça, c'est pour un abonné qui est embêté avec les FPLN, c'est Eric, discontinuity. Donc là, je viens de cliquer sur clear, tu vois, clear s'est affiché, et là, je clique à côté. Et boum, il n'y a plus de discontinu. Donc c'est ça. Tant mieux si ça va, Kimi. Ouais, c'est le principal. Dans combien de temps? Bah, je sais pas, peut-être 10 minutes, peut-être 10 minutes à quart d'heure, le décollage. Alors, je vais juste vérifier le plan de vol, s'il est bien ou pas. Tac, et on va regarder ça. Itsuji te demande quels ont été tes moyens d'apprentissage. YouTube, documentation internet, hein, voilà. sur Google, quoi. Rencontres de personnes et d'abonnés et d'amis qui avaient certaines connaissances qui me les ont partagées. Et voilà. Et un partage avec vous en live. Mm-hmm. Truc, c'est possible de vous rejoindre Discord? Malheureusement non, mon petit Strix. Ouais. Ok, donc là c'est bien ce qui me semblait, on a une approche des plus cocasses et des plus bizarres sur cette piste 5. Quelque part on s'en moque un petit peu puisqu'on sera en... Moi perso je vais être en manuel quand je vais approcher. Merci. Eltank 45, merci beaucoup pour ton follow, ça fait super plaisir, merci à toi, merci de ton soutien l'ami. Je vais changer, je vais lui rajouter un via. Vore 5. Salut Farming, comment ça va? Comment vas-tu? C'est la forme? Je vais lui rajouter Zem. Farming Game 72. Ah oui, c'est l'ami de la Sarthe. Comment ouais. Il va? C'est ça, quand j'ai dit Farming Game 72. Alors, ça nous fait quoi là? Kimi, 19 degrés, me frappez pas, please, mais il caille malgré tout. Ah oui, mon dieu, ah mon oui, dieu. Ah oui, bah 19 degrés, ça va. C'est clair. Ça va Kimi hein, ça va, on se met bien Kimi. Nous, 6 degrés en moyenne la journée. Ouais. Tu vois. C'est encore pire. Donc on va pas mettre de via. Ah et Manicle, il précise aussi que t'as eu la documentation avec et un stage en boulangerie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. What? Oh là là. Wow, Pat, merci beaucoup pour ton don de 20 euros sur la chaîne. Merci à toi. Coucou, un petit cadeau de Noël.
Merci beaucoup, Pat. Merci à toi. Pat. Wow, des gros GG pour Pat dans le chat, les amis. Oh. Ouais, merci pour ce cadeau de Noël, alors. Oh là 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 là, c'est dingue ça. Wow. Oh, ouais. Je suis scotché. Calme-toi, Pat. Calme-toi. Eh ben, merci. Oh là là là. Ah, là, je suis sur le cul. Arrêtez, vous allez encore me mettre en PLS. Après, je vais faire n'importe quoi. En tout cas, merci de ta générosité, l'ami. Hein, franchement. Ok, donc ça c'était la moins pire. On consultera pendant le vol comment va se passer cette approche. Hein, puisque de toute façon, vu que c'est en VOR, je reprendrai en manuel. Là, ça fait n'importe quoi sur cette partie-là. Donc je corrigerai avec du direct tout, bien évidemment. Pat, il a plein de GG. Bah oui. Ouais, bah tu m'étonnes. Merci pour les. Watch El Bobby, calme-toi, putain. Je crois que lui, il veut vraiment te mettre en PLS, ah oui. En fait, je crois. C'est ça. Je crois que c'est l'objectif. Merci beaucoup pour le don de 10 euros sur la chaîne, El Bobby. Merci à toi, merci Bobby. De ta générosité. Des gros GG pour El Bobby également. Merci beaucoup, calmez-vous là. Oh, bah dis donc. Waouh. Ouais. Ça y est. Eh bon. La PLS commence à venir. Position latérale de sécurité, bien sûr, hein, pas l'autre. Oui, évidemment. Voilà, ça y est, je suis perdu dans mes boutons. Mon Dieu. Et Ulysse, merci pour tous tes conseils et tutos. C'est grâce à toi que j'ai réussi à jouer. Tu es le meilleur, je vous aime. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup, Ulysse, t'es gentil. Merci à toi pour nous remonter ça. Super gentil de ta part. Pat, il a mis, j'avais mis un plus long message, mais ça ne l'a pas mis. Je suis dans le train de retour de Paris. Ah d'accord, il avait mis plus long que... Coupé un petit cadeau de Noël apparemment, mais ça n'a pas tout écrit. Ah mince, bah désolé. Ah, rip. Sinon, tu peux l'écrire dans le chat, Pat, si tu veux ton message. Il n'y a pas de souci. Ok, voilà pourquoi j'ai un souci. Retour, alors à toi, dans le train. Manicule qui demande si El Bobby et Pat font un concours. C'est ça. Tac, je relis tout mon plan de vol, mais je crois que j'ai trouvé le problème. Allez, RDAG, c'est des 005. Chel Bobby, gros poutou. Ouais, t'es gentil. Merci à toi. C'est mignon. Mais toi aussi, c'est aussi position latérale de secousse. Ouais, je pensais encore à une autre, mon poulet. Ulysse, j'ai trop envie de te faire un cadeau. Calme-toi, Ulysse, calme-toi. Calme-toi. Ah bah si, j'écoute le live ATC de LMML. Ok, ce qui va pas, c'est le premier L. Trop stylé, pardon. Ah bah si, l'ami. J'ai écouté le live ATC de LMML et c'est trop stylé. Ah, de Luc Ertoul, ouais. Ouais, franchement, c'est trop. Ah non, j'écoute le live ATC de LMML. Trop stylé, ouais, grave. Alors, laissez-moi corriger une chose. ALR. Ok. Alicia, tu peux goûter ma louloute si tu veux. D'accord. Il est 4h30. Toc. Je regarde si je peux pas essayer de rectifier ce plan de vol un petit peu moche. ALR, DAG. Ok. Ça marche. Tac. On va y avoir la couenne. Ulysse, il a mis. Bon, je me calme. Ouais. Je pense que ce qui pose problème, c'est le fait que ALR est dédoublé. Tout simplement. Par contre, je ne vois pas lequel enlever des deux. Sam il demande qui est moche, je sais pas pourquoi tu demandes ça Sam, j'ai pas entendu quelqu'un dire, enfin t'as pas dit ça Boudou, t'as pas dit non. Moche non. Non, non moi je sais pas, donc Sam il demande qui est moche, voilà c'est une blague je sais pas. Aldric tu pourras me montrer la livrée avec laquelle tu vas voler, c'est la livrée faite par Flo. Ah oui bien sûr y a pas de souci, je termine juste mon petit ouais. MCDU et après je te montre ça. Ranav, j'en ai plus besoin. Je vais me prendre en repère FD. Je vais me prendre en repère ALR. Il y a Sébastien qui dit que tu as deux fois DAAG sur ton plan de vol LCDU. Ouais, aussi, ouais. Mais ça, je peux le supprimer aussi.
Et Julien, il t'envoie le lien dans le Discord en général de Volantin. Pas de soucis. Ah, là, on est beaucoup mieux. Voilà. Le problème qui était, c'était les deux ALR. Donc, fallait supprimer le premier ALR et le premier DAAG. Et là, on rectifie la donne. Donc, ça, ça fait plaisir. Du coup, on va cibler un des points. Tac, je peux remettre en arc. Et on va cibler CD05. Hop. Aldric, il a mis merci beaucoup quand tu vas montrer la livrée. Mais de rien, je vais te montrer ça, t'inquiète pas. Ulysse, il demande c'est quoi ta voiture de rêve? Moi perso, Lamborghini Centenario. Ah oui, carrément. Carrément. Alors je vais essayer de récupérer le bon. C'est quoi ta voiture de rêve? Parce que je pense qu'il attend la réponse, Ulysse. Ma voiture de rêve? Ouais. Ouais, je me demande c'est quoi ta voiture de rêve. Tu vois, il a dit Lamborghini. Alors, voiture de rêve. Moi, si t'aimes bien la. J'ai pas une voiture de rêve en particulier, mais. C'est celle qui est bleue avec les traits blancs, là. Ouais, la Shelby GT500, ouais, quoi. Celle-là, t'aimes bien. Ouais. Bleue avec les traits blancs. C'est ça. Oh, c'est hop. Et quand on connaît pas les coordonnées du point, eh ben c'est pas grave, on va les récupérer. Toc, c'est des 05, coordonnées 36. 03. Alors juste 36 nord, 03 entier, est. Pour attends. Qu'il a fait. Il l'a réécrit en entier. Attends. Avant qu'il s'efface. Ouais, je peux plus le lire. Parce que là, il faut que je retienne les coordonnées. Les... Ouais, je sais, ouais. 36 nord, 03, c'est celui-ci. Hop. Voilà. Ok, alors. Alors, Pat, il a mis j'avais mis un petit cadeau pour Noël et ce n'est pas grand-chose. C'est pour tout ce que tu fais tout au long de l'année. Tu le fais admirablement bien, j'en suis super content. Voilà. Ah, c'est gentil, c'est ça, mais c'est généreux. Ouais, ouais. C'est généreux, merci beaucoup, merci, Pat, c'est Pat. Gentil. Merci, ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Big up à toi. Big up à toi. Et quelqu'un m'avait demandé pour la livrée, donc la voici. Voilà la livrée que Flo m'a personnalisée. Ouais. Donc la livrée Blue Lady et Cool Sharks, avec le logo Joe Cool Sharks. Le logo Blue Lady, puisque Cool Sharks ne part jamais sans sa femme. Et en dessous, il y a le logo de la chaîne Blue Lady et Cool Sharks, mais là, on ne peut pas le voir pour le moment. Voilà, on continue, les amis. Woody te dit que t'as un company message, Ibisson. Oui, effectivement. Merci, Alicia. Toi aussi, Manu. Ulysse, il me demande, et moi, c'est quoi ma voiture de rêve? Moi, j'aime bien la Mustang. Ok, nice. Ouais. Alors, de AF6006, salut Joe, je vais atterrir à Jakarta. Oh, nice. Nice. Mm. AF6006. Pas qui met avec la superbe copilote du Jules, longue vie à ta chaîne. Bonne fête à toute ta petite famille. Bisous, please fausse. Oh, c'est ah, merci, pas... please fausse à toi. Chabéret hein. Oui. Pas Molly. Hein. Et la Miss Martinique, t'as vu, elle est première dauphine. Elle a été loin hier. Hein. La Miss Martinique. C'est clair. Première dauphine, elle a fini. C'est vrai qu'elle était jolie. Elle avait un visage fin. Ouais, ouais, elle a fini première dauphine. On n'a pas regardé l'émission en entier, mais on a regardé le replay à la fin, là où les 5 dernières sont couronnées. C'est pour ça qu'on a vu ça. Tchouk. Aldric, il te demande, tu as combien d'heures de vol sur le simulateur? J'ai quasiment 400 heures. Je suis allé 396 heures de vol pur. Voilà, ce qui n'est pas énorme, hein. Ce qui est pas énorme en soi. 24,87. Strix, il dit lui, sa voiture de rêve, c'est une voiture, et c'est une voiture de connaisseur, c'est la Lamborghini Diablo. Ah oui, ok. Ah oui, oui, la Diablo. Ou la Viper GTSR. Oh, celle-là, 0.4, up, up 0.4. Up 0.4. 1000, il te demande, tu penses quoi du Concorde DC Design? Bah je l'ai pas piloté, il est sorti sur MSFS, je crois pas, hein, pas encore. Hein. Elle tank départ sur quelle piste? La 31, ouais, pardon. Suivi, là, voilà ce que j'avais dit, il a répondu. Derrière, juste derrière, il a mis 31. Ouais.
Voilà, c'est prêt. Hop, on va démarrer la PU. Mettre le beacon. Et je vais régler juste l'altitude pour l'avoir visuellement. Donc 34 000 pieds, hein, les amis. Donc, salut Alex. Salut Alex, comment vas-tu? Je vous explique vite fait le taxi. Donc moi, le taxi, personnellement, je suis ici. Je vais reculer comme ça, mais je vais prendre... là, je vais reculer, mais je vais faire le tour comme ça. Hein. D'accord? Je vais partir dans ce sens-là pour revenir par là. Ok? Ensuite, je vais venir ici, puis je vais venir faire mon demi-tour juste ici. C'est le même. Hop, on attend que la PU démarre, les amis. Alors... Ulysse, il me demande quoi comme Mustang. Alors, ces doudous, c'est celles qu'on voit des fois de temps en temps, pas loin de chez nous, qui sont sorties depuis peu là. Mais je sais pas le modèle. Je sais pas non plus, mais moi, bon, je n'y connais pas. Ouais, mais voilà, c'est... je sais pas le modèle exact, mais bon, on en voit là récemment, c'est celle-là. Je coupe l'external power, j'en ai plus besoin. Batidi, les boules. Elle a été choisie par le public, mais pas par les juges, la Miss Martinique. Ouais, c'est dommage. Ouais. Hein. Mais c'est vrai c'est que bah, moi, personnellement, je préférais quand même Miss Martinique que celle qui a gagné par rapport au visage. Voilà, je le trouvais plus raffiné, son visage. Carrément. Et après, voilà, c'est ça, c'est un choix de chacun. Et les goûts et les couleurs. Je vais chercher on choisit vous. Pas forcément. Voilà, nous, on va préférer celle-là, mais il y en a d'autres qui vont préférer. Peut-être une qui n'était pas parmi les 5, et puis d'autres qui ont mis la liste qui a gagné. Enfin, ça, c'est... Mais c'est vrai que non, ouais, elle est super jolie, la Miss Martin. C'est vrai que, ouais. Mais c'est dommage, ouais, si elle a été choisie par le public et pas par les juges, c'est quand même dommage qu'elle n'ait pas gagné. Alors, Sam, la plus belle, c'était Jean-Pierre Foucault, mort de rire, non. Sam, il dit que la plus belle, c'était Jean-Pierre Foucault. Tu as des goûts plutôt intéressants, mon poulet. Tes goûts, mon poulet, mériteraient études. Hey, Brian Van, comment vas-tu? Salut, Brian. Bienvenue. Allez, on repousse. Ça me dit 34 000 pieds, sacrée chaussure. Ah oui, ça en fait des pieds. Je pense qu'on a affaire à 1 000 pattes, mon poulet. 1 000 pattes? Ça, chut, Alicia. Ouais. Philippe Joe, j'ai réussi à mettre sur la carte de FS l'aéroport de Tours et son décor que j'ai trouvé sur internet. Ok, excellent. Bien. Pat, sa voiture de rêve, c'est la SF90 Stradale de chez Ferrari. Okay. Ah oui, ok. Alors Ulysse, il te demande si tu utilises Air Traffic Manager. Non, du tout. Du tout, je m'encombre très peu de logiciels tierces. Pour éviter déjà une grande partie de bugs et surtout pour être au maximum concentré sur mon vol, sur ce que je fais, puisque je fais de plus en plus du manuel et être le plus possible concentré sur le chat. Ulysse demande à moi, je suis un grand fan de voitures. Bah ouais, après je sais pas trop, peut-être s'il s'est trouvé une photo, sinon... Pat, moi aussi, mais c'est la démocratie. Première Dauphine, c'est bien aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est très bien, mais c'est vrai que oui, c'est dommage que du coup, si le public l'avait choisi, c'est vrai que c'est dommage qu'elle ait pas gagné. Ouais. Mais moi, perso, j'aurais voté pour elle aussi. Hein, oh oui. Entre les deux. Ah ouais, elle était quand je dis très ça, jolie. Après, chacun ses goûts. Il y en a qui, voilà, qui préféraient sûrement les autres dauphines, ou d'autres qui préféraient une qui n'est pas parmi les cinq, une qui préférait celle qui a gagné. Ça, c'est vrai qu'après. Ça, voilà. Hein. Les goûts, les couleurs, c'est tout ça, hein, c'est, voilà. C'est propre à chacun. Hein. C'est ça. Mais t'as vu la Miss Martinique, je l'avais déjà repérée, Doudou, je te ouais, l'avais ouais, dit. Ouais, ouais, tu me... Avant l'émission de Miss France, déjà, je t'avais dit, une des plus belles, c'est Miss Martinique. C'est vrai. C'est pas parce qu'on adore la Martinique ou que c'est notre famille de cœur ou notre île de cœur, c'est pas ça. C'est que, bon voilà, j'ai regardé les Miss, et bah évidemment, on jette toujours un œil sur les Dom et surtout la Martinique. Mm-hmm. Et là, je l'ai dit, j'ai dit, ah bah dis donc, la Miss Martinique, elle est vraiment jolie. C'est vrai. Tu dis, elle a les fins et tout. Et avant qu'il y ait l'émission. Et là, hier soir, quand j'ai vu qu'elle était dans les 5 dernières, dans le replay, déjà, j'ai dit, ah, déjà, elle est dans les 5 dernières. Et après, c'était entre les deux. Et elle n'a pas gagné, mais première dauphine, donc tu vois, elle a été loin. Tout à fait. Tu l'avais repérée. Ok.
Tout est bueno, je vais être prêt pour le roulage. Tiens, le nombre d'avions. What the fuck? Allez, on est parti. Attention à toi, Juju. Ouais, j'essaie de pas trop t'attendre, pas avoir le bras qui te gêne. J'essaie de retrouver une photo un peu de... Alors, Ulysse, elle est même plus vieille que ça, elle est carrément des années 80, hein, 70-80. Laquelle qui est de 70? Ah oui, une Mustang, ah ouais. Ouais, ça doit être une des dernières, ouais. Ulysse, Mustang GT Shelby, ouais, ouais. 500, 2013 ou 2020. C'est un peu ce style-là, hein, Doudou, hein? C'est un peu ce style-là, hein. Oui. Non, non, non. Ah, qui est par chez nous? Oui. Ah oui, oui, oui. J'aime bien. Ouais, celle-là, ouais, en fait, me permet, Doudou. Celle-là, en fait, de dos. Voilà. C'est comme, je sais pas le modèle, j'avais pas trop le modèle, je vous montrais. Et celle-là de face, ça fait un peu ça. Donc voilà, j'aime bien. Je trouve ça joli. Mais bon, après de là en avoir une, peut-être pas quand même. Mais je la trouve jolie. Je vois qu'il y a de l'avion de chasse. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a coupé tout internet. Ah, j'ai rien touché. T'es allé sur internet avec le téléphone? Bah pour montrer une photo. Pourquoi? Ouais, c'est bizarre. Bah non, parce que je suis juste à côté de... Ouais. Et j'ai juste montré une non, photo. Non, et puis même, je veux dire, ça n'a pas lieu de faire bah ça. Non, normalement. J'ai tout coupé, en plus j'ai tout fermé, tu vois. Bizarre. Ah non, là je vois pas. Ouais, bizarre. Les serveurs, ils ont ouais, fait sûrement. Oh, trop ouais. Dur. Je vois juste montrer une photo, je pense pas que c'est ça pour... Ça m'étonnerait. J'étais 500 de 2020. Ah bah voilà, bah, c'est ça. Faire trouver du coup. Ok. Bah j'aime bien, voilà. Après, on a plein d'autres qui sont très belles. Hein. Voilà, hein, c'est juste voilà, une de celles que je trouve jolies. Ouais. Après, je suis pas forcément la préférée. Il y en a pas mal. Puis moi, je suis pas non plus une grande passionnée des voitures. Hein. J'aime bien, je m'intéresse un petit peu quand on en voit. Des fois, toi, de vous, tu me dis, elle est jolie, cette voiture-là et tout. Je dis, oui, c'est vrai, mais de là à être passionnée, connaître tous les modèles et tout. C'est ça. C'est ça. Roscoe, c'est dommage, je ne vois pas sur à l'aéroport. Je suis pourtant prêt aussi à décoller. Ah, tu vois, il doit y avoir des bugs de serveur. Vodka, t'en penses quoi du nouveau système météo? Moi, perso, j'aime pas du tout. Bah, pour l'instant, il ne m'a pas perturbé. Attends, je vais montrer un truc en même temps. Il ne m'a pas perturbé, faut que je vois dans le temps. D'accord, faut que je vole un petit peu plus pour me faire mon propre avis. Itsuji, les serveurs sont en PLS du fait du monde. Ouais, j'ai l'impression. Aldric, tu peux me montrer comment tu fais pour enlever les instruments en vue extérieure? Alors, j'en profite pendant que je suis au sol. Tu vas dans options d'assistance. Tu vas dans expérience utilisateur. Et affichage tête haute, instrument HUD. Les deux là, faut que tu désactives. Voilà. Hop, allez, je reprends. Sam, il dit que c'est Ghost Falcon qui a piraté. C'est ça, c'est ça. De toute façon, il est toujours dans les mauvais coups. Aldric qui dit, tu peux me montrer comment tu fais pour enlever les instruments en vue extérieure? Ça y est, tu l'as tout montré. Garkion, take off pour moi, et bah bon décollage à toi. Ulysse, tu connais Lewis Hamilton et Max Verstappen? Oui. Grenette, ou Grené, je sais pas, je suis sur l'aéroport. C'est fou, tous ces A320, c'est le top. Bah, t'as de la chance de les voir, moi pour l'instant je les vois plus. Et Strix, il attend sur le bas-côté, il a dit. Ok, moi là de toute façon, hein, je vais me diriger pour le décollage, je vois plus un seul avion, donc ça sert à rien que je patiente. Bah. Enfin, peut-être revenir en plein vol. Décollage donne, GG à toi, Itsuji. Ça va peut-être revenir en plein vol. Ouais, peut-être. T'as vu, ça cherche, t'as vu? Ouais. Il y avait un truc qui cherchait, hein. Ça se trouve, là, c'est le serveur qui...
On arrive au stop. Boum. On active le Ticas sur Tara. C'est Bueno. Piac. On se prépare au décollage. Tac, les packs vont se déconnecter automatiquement, donc j'ai plus besoin d'y toucher. Ça c'est bon. Check. Ça aussi, check. Tout est bueno. Gerpion, il te dit on te voit toujours, Joe. Vous me voyez, moi? Ok, ouais. Bah, je suis désolé, hein, je dois passer à travers tout le monde actuellement, j'en suis navré, mais je vois plus personne pour l'instant. Ça y est, ça commence à revenir. Ça commence à revenir, il y a des avions qui commencent à réapparaître. Strix, je suis dans le bocal 1 au cas où si t'as des challenges à me demander, lol. Ok. Ulysse, j'ai trop envie de rentrer chez moi. Ah, est-ce que t'es loin de chez toi là, Ulysse? Itsuji, je m'entraîne sur Cessna CJ4. Ok, très bien. Thibaut, bizarre ce décalage, je te vois à l'arrêt sur YouTube et en roulage sur la cime. Ah oui, d'accord. Ouais, non, ça. Mais il y a toujours un décalage par contre. Il y a toujours un décalage. Quand t'as quelqu'un qui est en stream, le décalage, il y en a qui ont très, très peu de décalage, puis il y en a qui en ont plus. Ouais, d'accord, ça peut aller genre de 2 secondes de décalage à 1 minute 30 de décalage, tu vois. Hop. Je me mets un tout petit peu sur la gauche de la piste. Je roule pas au centre, on sait jamais s'il y a un avion. J'ai pas envie de gêner qui que ce soit. Hop, je vois que les avions de combat sont prêts là. L'escorte est là. Ça fait plaisir. Hop. Salutations les avions de chasse. Pat, tu mets quoi en chiffre sur le TCAS? Alors, sur le transpondeur. Ne pas confondre TICAS et transpondeur. D'accord? Sur le transpondeur, moi je mets 2000. Ok? Ulysse, un jour j'ai vu une Lamborghini Urus. Ah oui, c'est le entre guillemets le 4x4 quoi, de chez Lambo quoi. Allez, hop, je libère. Elle tente, je fournirai une escorte pour une partie du vol. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir là. Sam, vous poulez, prends soin de Itsuji 910. C'est Morgan qui a fait ma livrée. Il fait ce qu'il veut avec ses mains. Ok, pas de soucis. Pas de soucis. On va en prendre un grand soin. Le nombre d'avions, c'est un truc de malade. À moi d'avancer. C'est parti. Hop, on s'aligne et on va déclencher le chrono. Sujet qui dit merci mon poulet avec plaisir. Ulysse, préparez-vous pour le décollage. Yes, ça va le faire. Luigi, t'as déjà pris une livrée Lufthansa? Ah oui, tu as répondu Lufthansa. Ouais. C'est vrai que lui qui a vu des messages. Il y a longtemps. Hein. Il y a très longtemps, mais ouais. Oui, effectivement. Ok, allez, 50%. Jonathan, salut mes amis. Salut Jonathan, comment ça va? Salut Jonathan, comment vas-tu? C'est la forme. Luigi, waouh, le monde derrière. Ah ouais, non, mais c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie, même moi, je suis sur le cul à chaque fois. Allez, Manflex. C'est parti. Sam qui dit, c'est comme JP 972 et Shell Bobby, c'est des seconds. D'accord. Ok. Alex, bon voilà vous. Merci, Alex. Merci, Alex. Gros bibi à toi. Jonathan.
maintenant ça allez, va. Allez, V1, mieux si ça va, alors, rotate. Tranquillement. Back oui, positive climb. J'allais le faire. Ah pardon, excuse-moi. C'est pas grave. Oui, dis que le mort de rire. C'est ça. Ah, là que le... Oh, l'escorte. L'escorte qui grimpe. Waouh, on dit au revoir. À Malte. Allez, on peut passer en climb. Ah, ok. On continue de suivre le flight director. Très important. Tant qu'on n'a pas enclenché le pilote auto. Itsuji dit décollage réussi, GG, Blue Lady Cool Sharks. Merci. Merci à toi. Oh non, Sam. Blague d'un Corse. Qu'est-ce qui est jaune et qu'on attend? Mort de rire. RIP, est-ce que j'ai le droit de donner la réponse? Ça ne vise personne hein, parce qu'elle est violente. Mais est-ce que j'ai le droit de donner la réponse que moi j'ai pour me défendre de cette blague? Est-ce que tu l'as entendu cette blague? Oui. Tu vas activer l'autopilote après ou pas? Ouais. Tu dis qui demande. Ouais, ouais, ouais. En général, tu l'actives. Tu peux l'activer avec le bouton rouge ou là, hein, c'est ça, Doudou? En général, le bouton rouge. Ouais. Ouais. Mais tu vas essayer. On attend pour l'instant. Hop. Pour l'instant, je reste en manuel. J'aime bien passer cette petite phase de manuel pour sortir du trafic tranquillement. Chez Bobby, il dit tu veux que Joe me tape mon poulet parce que vous, il avait ressorti la blague apparemment chez Bobby. C'est ça. Tu peux rentrer les flaps. Non. Ça c'est l'external power ça. Ma flaps. Ouais ouais non mais dis pas là, c'est là. Ouais. Vas-y, vers l'avant. À fond. Merci. Désolé. Ouais, moi je vois flaps, je touche au flaps moi. T'inquiète pas, il n'y aurait rien eu de grave, ça aurait juste enclenché l'external power. D'accord. Qui n'est pas disponible. Et c'est bon du coup, ça t'a rien fait, oui. Il n'y a rien déréglé. Tout va bien. Hop, je reprends le flight director et j'active le pilote auto. Les flaps, c'est les volets en fait. Quand tu me dis les flaps, donc les volets, je sais ça. Moi j'ai vu ce que j'ai vu. Et ça, il met. Putain, l'escorté là, les amis. Hein. Ah ouais. Sam, il met ah bah c'est encore le disparu. Facteur chez ta maman, mort de rire, je la connais mon frérot. S'appelle comme mon ça. Frérot s'appelle comme ça. Bah, oui, oui, oui. Pat, vas-y, nous sommes entre nous, Joe. Bah oui, voilà, Sam il a mis la réponse. C'est ça. Alors moi la réponse donc c'est ce que Sam c'est disait, début, hein. C'est quand quelqu'un me dit qu'est-ce qui est jaune et qui attend, moi je lui réponds écoute c'est le facteur devant chez ta maman le jour de ta conception. C'est quoi le point qu'on doit mettre? Je sais pas. Précise plus, Shelbobby, ta question. Peut-être le point repère. Le point repère de descente qui est CD05. Wizzy, si je te dis AF447, ça te fait penser à quoi? Air France. Bah, AF447. Là, je sais pas parce que nous, l'Air France pour aller en Martinique, c'était des 800 quelque chose. AF800 quelque chose. Donc, je dirais peut-être l'avion qui va par chez toi. Ulysse, ça sert à quoi le reste en manuel? De rester en manuel, Bah, avoir le plaisir de piloter, de réaliser son décollage et de suivre son flight director. Manuellement et donc quand t'enclenches ton pilote auto de voir que l'avion ne corrige rien tellement t'étais bien sur l'ascension correcte et le longitudinal correct. D'ailleurs t'as mis le pilote auto, ça y est, t'as essayé le bouton? Ouais, là, d'ailleurs on a passé non, les 10 000 pieds. Non, t'as pas essayé le bouton, le bouton, tu disais? Non mais il est pas fonctionnel, regarde. D'accord. Il est pas allumé. Okay. Donc heureusement qu'on n'a pas appuyé dessus. Pat, c'est bon ça. Ah oui, mon Pat.
Shell Bobby, le point repère. C'est ça qui nous c'est le point repère, donc c'est CF05. CD05, pardon. Sam, Juju engage le siège éjectable. Oh non. Et vite. Tu m'étonnes. Shell Bobby, c'est lequel qu'il faut mettre le point repère. C'est bon, du coup, tu viens de dire la télé. C'est ça. Luigi, donc il répond que AF447, ça correspond au crash Rio Park. Ok, d'accord, ok, très bien. Et Aldrich aussi, confirme, il a mis la même chose. D'accord, ok. En 2009, apparemment. D'accodac. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui est à fond sur les crashs d'avion, tu vois. Pour, c'est pas mon délire. Non, okay. Plus positif. Voilà. C'est comme plein de trucs. La plongée, je regardais pas les accidents de plongée en vidéo, des trucs comme ça, tu vois. Loki, pareil, il a la réponse aussi. Kletos, oh oui, le plaisir, oh. Par hasard. Loki, apparemment, le crash s'est passé dans l'Atlantique. D'accord, ok. Très bien. Ça m'embête un peu parce que je vois pas mes camarades. Vous dites non mais celui-là, il m'a vraiment ému, ce crash-là apparemment. Ah d'accord, ok. De toute façon, les crashs, c'est terrible. C'est terrible. Aldric, il dit que c'était un A330 et une sonde Pitot à Joly. Ah c'était celui-ci, d'accord, ok, donc j'en ai déjà entendu parler, effectivement. Ça l'a touché. Alors, Pouletto, j'ai mon élastique qui vient de casser mon poulet comme cet été, mort de rire. Oulala, oulala. Le plus dur va être de ranger l'anaconda après ça. Thibaut, ok pour le décalage. Et pour info, au moment là, tu lis mon message, tu es à quel FL? Au moment où je lis ton message à l'instant, je suis à FL 180. Donc les amis, on va monter pour 34 000 pieds, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc je vous invite à faire le calcul pour la descente. Je vais vous donner tout ce qu'il faut. Je vais reprendre la carte. Tac, il faudra qu'on soit à 2300 pieds. Ok. 2300 pieds, on est à 34 000 pieds, à vous les calculettes. Hein. Ça, j'en ai plus besoin. Woody, ça a entraîné un incident presque diplomatique. Ah oui. Ah oui, le président s'en est mêlé en plus. Ok. Pouletos, tu te rappelles le mobilhome, comment il bougeait, bah, de rire. Oui, je me rappelle. Je me rappelle. Le lendemain, il était même plus posé sur les parpaings. Oh non. Pouletos, ah, les calculs, c'est pour Shell Bobby, mort de rire. JP. Alors, presque JP, il faut que tu arrondisses. Alors, pas besoin d'arrondir autant de JP. Tu y es presque. C'est le Bobby, je sais pas quel CD05 je dois prendre. C'est le troisième de mémoire. Le troisième. Celui qui a plus de 500 nautiques miles. Pouletos, hashtag prévoir les gilets de sauvetage. C'est ça, Orozco 105 presque, Olivier 107 presque. Vous tournez autour, les amis. Bien joué, JP. C'est ça, JP. 106 nautiques miles. GG à toi. C'est le Bobby, ma spécialité, mes calculs. Eh oui! Oh. Alors, Hazard, Uimaz, merci beaucoup pour ton follow. Welcome aboard, l'ami. Merci à toi. Merci beaucoup, Hazard. Hello tout le monde. Hello, Seth, comment ça va? Salut, Seth, comment vas-tu? C'est la forme? Ils veulent pas me... Ah si, il y a des avions qui reviennent, là. J'ai mon Mani, je vois mon Mani. Mais je sais qu'on est beaucoup plus. Mon Mani. Ça va et vous? Ça va très bien, Seth, merci. Bah, nickel, ça va, merci. Et toi, ça va? C'est le principal, c'est ce qu'il faut, l'ami. Ça va, Alicia? Ça va, Loot? Je
pourquoi tu fais des petits bruits. Alors Pouletto, c'est à JP972, mon fournisseur de rhum. Ah oui, ah oui. D'accord, calme-toi. Ah, le rhum. Doucement. Le rhum, c'est une grande histoire d'amour, le rhum. Ça, c'est sûr. Alors, Shell Bobby, tu peux m'écrire un roman, s'il te plaît, Sam. Ah. Ah non. Me dit la livrée, elle est trop belle, je te jure. C'est vrai ? T'aimes bien la livrée ? Bah, ouais. tu peux dire merci à Flo qui l'a personnalisée et un gros GG au développeur qui a fait la livrée de base là, avec la tête de requin, quoi. Elle est ouf. J'en profite pour te remercier en direct pour tes tutos sur YouTube simples et efficaces. Mais c'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie, l'ami, pour le compliment. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça me fait chaud au cœur, comme d'habitude. Manicul, oula, la météo n'est pas encore au point. Je passe de 380 à 320, puis à 260, le tout en l'espace de 5 secondes. Ah ouais, oui, effectivement. Wow. Effectivement. C'est le Gulfstream, des airs, non ? Elle tank pour Strix, Hornet, 3 heures haut. Ok, c'est pour Strix. Pouletos, oui, Makai, Mani, 280, Shell Bobby, merci, Chou, JP, Kel, CD05, il y en a plusieurs. Celui qui a 500 et quelques Nautic Miles. Normalement, il me semble que c'est le troisième. Il me dit GGAE alors, et oui. Elle tank, ça y est, j'ai perdu tout le monde. Ah, rip. Fabrice, il vient. Alors, y a-t-il un réglage ? Car pour moi, j'ai couché de soleil très jaune. Bah écoute, non, j'ai rien fait de particulier et je crois pas qu'il y ait de réglage colorimétrique, à moins que tu aies installé un mode il y a quelques mois qui était sorti qui permettait de toucher aux couleurs du simulateur. Mais sinon, non. Alors, Pouletos, ça me fait chaud aussi, mais pas au cœur. Itsuji, 7, oui, GG à toi. CS, je suis en train de voir tes tutos sur l'atterrissage Airnave. Cool Sharks, CS, Cool Sharks, ok, bah de rien, de rien, l'ami. Avec plaisir, mais j'ai hâte que la Airnave soit réimplémentée dans l'avion, parce que pour le moment, elle n'y est plus. Elle n'y est plus pour l'instant, donc j'ai hâte qu'elle soit réimplémentée. Pour l'instant, on ne peut que la simuler, quoi. André, salut à toi, salut, comment André. Vas-tu? Hello, my friend, hello, welcome to my stream, guy. Thanks for watching me. What's up? Oh, Shell Bobby, mais Shell Bobby qui est encore énervé. Shell Bobby qui fait encore un don de 5 euros sur la chaîne. Merci à toi, Shell Bobby. T'es fou, tu te calmes. Des gros GG pour Shell Bobby dans le chat, les amis. Wow. Merci, Shell Bobby, merci beaucoup. Merci beaucoup, Shell Bobby, calme-toi. C'est une dinguerie, vous êtes fou. Trick, je viens de te voir disparaître, là. Ah, ouais. Ulysse, F, 2004, F1. Avion en approche, ok. Adiash, hello la petite famille, comment vous allez? Bah, ça salut. Va nickel. Ah, c'est Scorpio. Rappelle de Scorpio. Des Scorpio. Exact. Ça va? C'est la ça forme. Va bienvenue, ça fait plaisir de te revoir. Et le temps que je vous ai retrouvé, nice. Pouletos, moi aussi. JP, GG, Manicle, Shell Bobby a eu sa paye aujourd'hui. GG à toi. Thibaut, merci pour ton. Fil de décalage est terrible car à l'instant tu es à FL 300. Eh oui. Shell Bobby, j'aime être fou, c'est bientôt Noël. Oh là là. Bah oui, merci. Vous nous gâtez là. Captain Mill, salut. Salut. Shell Bobby, gros zizi, Ulysse, la F1 de Ferrari, et eh oui. Je vais regarder si je vois un petit peu plus, s'il y a un petit peu plus de monde qui est revenu autour de moi, mais non. Non, non, non. C'est marrant, on voit les traînées. Ouais, les contrails. Ouais. Blanche. Ouais. C'est bien fait. J'ai l'impression qu'on est tellement nombreux qu'on arrive à faire crasher les serveurs autour de nous, mes amis. Pouletos, salut des Scorpios, ça fait longtemps, et oui. Bacre, salut à toi, bienvenue, comment vas-tu? Thibaut, donc le décalage vient de YouTube et non des serveurs de FS. Oui, tout à fait, et Thibaut, si tu veux moins de décalage, pour ceux qui veulent moins de décalage, j'ai beaucoup moins de décalage sur Twitch. Elle tank, Strix reste en place, je vais aller voir ce que l'autre Hornet veut, il n'y a pas de souci. Manicle, je t'ai hacké pour que tu ne vois que moi. Je vois ça, mon ami. C'est vrai que c'est bizarre qu'on voit que Manicle. C'est vrai que c'est bizarre.
Ulysse, ouais. Va sur Google, tu tapes F2004. Bah là, je vais pas aller sur Google, l'ami, je suis en live, mais j'irai voir plus tard. Scorpio, ça va tranquille. Tiens, je me refais les saisons de Air Crash, lol. Ok, ah, ça marche. Ça marche. Bah, si tu vas bien, c'est le principal, c'est ce qu'il faut. Philippe, à quel moment on clique sur Activate Approche Phase? Alors ça, c'est quand on ILS. Là, on va atterrir en... C'est un bord, hein, sur la piste 5. Ok, il n'y a pas d'ILS. Mais quand tu es en ILS, la PPR, en fait, tu l'actives peu de temps avant que ton glide descende, en fait. Ton glide d'approche, ou tu l'actives quand tu es dans ta star. Et Ponaï, merci beaucoup pour ton follow. Welcome aboard, l'ami. Merci à toi. Merci de ton soutien, ça fait plaisir. Merci. Il me semble j'avais dit 2300 pieds. Hein. Ouais, c'est ça. Je vais le noter parce que sinon je vais faire que de regarder. Du coup, comme c'est VOR, ce sera une approche pour ma part full manuel. Hein. Donc là, je vous laisserai entre les mains de Juju pour le chat parce que là, je serai grave connecté, grave concentré. Tu m'étonnes. ADH. ADH. Je suis toujours dégoûté, mon PC ne prend pas le jeu. Ah, rip. Rip. Ça, c'est chiant. Ouais, quand tu veux mettre un jeu et que ça marche pas, c'est sûr que c'est pas très cool. Bah ouais. Donc là, l'avion fait des contrails là-bas. Donc ça, c'est un avion du trafic IA de l'ordinateur, ça. D'accord. Captain 1000, je ne sais pas pourquoi quand j'ai l'ILS, je ne fais jamais d'automatique pilote. Bah, de toute façon, l'ILS, en général, dans tous les cas, tu prends en manuel sur ta phase finale. Hein. On est bien d'accord. Par contre, quand tu as des conditions météo qui sont vraiment pourries et qui ne te permettent pas d'atterrir à vue sur le final, là, tu vas réaliser un auto-landing avec ton ILS. Ah bah si, j'écoute le live ATC de l'approche d'Orly. Je sais pas comment ils font, les contrôleurs, pour comprendre ce que disent les pilotes. Il y a trop de bruit dans les cockpits. Ah ouais, tu m'étonnes. Bah c'est l'habitude. Hein. Ouais, l'habitude. C'est ça. Bacre, non, ton PC veut juste pas qu'il explose, lol, c'est ça. Didos, salut à toi, comment vas-tu? Salut Didos. Vince Portugis, bonjour à tous, salut à toi. Oh, tout le monde revient. Ah, salut à toi, Vince, ah, comment vas-tu? Bienvenue. Tous les tos qui utilisent les mots, les mots de la chaîne. Abassi, Monjo, c'est un vrai vol, Emirates. 192, ok. Vince, c'est moi ou le son est chelou? Oui, c'est vrai que... Alors là, le son est chelou parce qu'il y a un avion oui, de chasse. Voilà, mais moi je. C'est Strix. C'est quoi le son bizarre? Mais oui, d'accord. Okay. C'est parce que là, vous avez un avion de chasse autour. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe qu'on était autant quand même. Hein. What the fuck? Ah bah si, celui avec les contrails. Yes, ouais, ouais, j'avais compris, ah bah si. En fait, je me doutais que c'était un vrai vol. Je me doutais que c'était un vrai vol et c'est juste que bah, du coup, il est géré par l'IA, si tu veux, d'ordinateur. C'est en ça que je disais ça. Merci Gwengan, chauffeur de bus. Pour ton host pour sur host. La chaîne. Merci pour hoster Merci. La chaîne, ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Il suffit dit que Sheldon est actuellement en live, donnez-lui de la force. Il n'y a pas de souci. Ange Blanc, coucou les amis. Quel bel équipage mixte. Je vous souhaite un bon vol et très bel atterrissage à Alger. À très bientôt. À très bientôt. Merci de passer, ça fait plaisir. Merci, j'espère Ange que tu vas bien. Gérer le F18. Et oui, Vince Portuguese. Je voulais participer, mais à César, c'était pas possible pour moi. Ah, mince. Ah, zut. Un F15. Tous les tos avec le Père Noël. MC Guard. Mac Guard, pardon. Dans ton plan de vol, tu as des aéroports prévus en cas de gros problème si tu dois atterrir ou tu dois rapidement trouver quel est l'aéroport le plus proche? Alors, t'as, dans le cas où tu peux continuer, tu peux pas atterrir sur l'aéroport prévu et que tu peux continuer, tu as ce qu'on appelle l'aéroport de déroutement qui est prévu. D'accord. Après, en cas de problème, non, tu n'as rien qui est prévu. Tu sais sur ta trajectoire les aéroports qui seront proches de toi. Donc après, c'est à toi de choisir l'aéroport et de contacter la tour de cet aéroport pour demander un atterrissage d'urgence.
Shell Bobby, merci beaucoup pour toi, c'était sur ta chaîne, merci à toi. Merci à toi, ça fait plaisir, merci de ton soutien. Fabrice, c'est les avions russes qui te suivent. C'est ça, c'est ça. Steelfire, salut la petite famille, salut Steelfire, comment vas-tu? Là, j'ai juste envie de dire qu'il y a une belle escorte là. Ouais. Steelfire nous a salué, du coup j'ai dit. Salut à toi, excuse-moi Steelfire, comment vas-tu? Comment vas-tu? C'est la forme, merci de passer. Gwen, les amis, j'ai un achat sur Steam, vous n'allez pas en croire. Ah. Ah, dis-moi tout Gwen. Ouais. Captain 1000, c'est Air Force One maintenant, c'est ça. Alex, tu es bien protégé là. Ah oui, 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 là je suis entouré là. Ulysse, tu regardes la F1? Non. Pas trop. Non. Avant, on perdait un peu plus, mais là, pas trop. Ouais. Look Minded, salut à toi, salut. Comment vas-tu? Bonjour, je n'arrive pas à transmettre les plans de Simbrief vers l'A32MX. Mais les autres données sont bien transmises de Simbrief vers A32MX. Une idée pourquoi? Utiliserais-tu une livrée actuellement pour ton avion que tu as téléchargé sur flightsim.to ou un autre site? Et du coup, c'est peut-être elle qui fait bugger ton avion, malheureusement. Et est-ce que ton avion est bien à jour? Steelfire, ça va, merci. J'espère que vous aussi en ce beau dimanche. Bah écoute, ça va nickel, je te remercie. Et beau dimanche, bon, le temps n'est pas avec nous, malheureusement. Il fait pas très beau par chez nous. Gerkion, je tiens à dire qu'il y a énormément de bienveillance autant de votre côté que du côté des abonnés. C'est remarquable, c'est vrai. C'est vrai. Beaucoup de bienveillance de la part des abonnés, et ça fait super plaisir. Mmh. Ça fait super plaisir. On confirme. Mmh. Gwen, j'ai acheté un jeu d'avion, devinez lequel? Microsoft Flight Simulator 2020. Ulysse, baisse le son des avions, c'est fort. Ok, je vais m'en occuper. Ouais. Look Minded, oui. Et j'ai essayé avec plusieurs livrées et je suis à jour pour la version dev. Ah, alors du coup, ouais, j'ai pas vraiment d'explication. Pat Joe, que penses-tu de l'A320 version Phoenix? Ah, l'avion école, l'A320-200, je crois. Bah, il a l'air fort intéressant. J'espère qu'on aura plus de détails bientôt. Bacre Explain 11 à Gwen. Steelfire, moi je suis dans les Landes, je vous envoie un peu de soleil. Ah, merci à toi. Merci à toi. Alors, on va regarder ça. Je voulais. Et puis, est-ce que ton ID Simbrief, il est bien rentré aussi? Ça aussi, ça peut jouer. Hein. Oui, je voulais baisser des sons. Ah oui, mais non, mais je suis obligé. Je vais faire échappe si je baisse. Et là, si je me décale des avions de chasse, je peux pas faire échappe malheureusement. Est-ce qu'il y a possibilité pour les avions de chasse de s'éloigner un petit poil? Apparemment, Gwen, c'est XP 11 qu'il a acheté. X-Plane 11, ouais, okay. Très bon simulateur, hein. j'en entends du bien, beaucoup de bien. Il avait trouvé la réponse, il a dit X-Plane 11. Là c'est bon, là. Comme test trick, c'est parfait là. Mmh. Et merci beaucoup de jouer le jeu les amis, ça fait plaisir, merci. Il suffit de bien l'escorter, vous l'avez dit, écoute ça. Ah oui, oui, là il y a du lourd. Hein. McGarve, mais si tu as prévu un long courrier, donc tu as beaucoup de carburant. Si tu dois dérouter rapidement après le décollage, comment tu fais pour alléger l'avion si la piste ne le permet pas? Tu as ce qu'on appelle des purges de kérosène en fait, sur ton avion. Tu peux purger le kérosène. Alors sur l'overhead panel, je ne sais plus exactement où c'est, mais je sais que tu peux purger. Le X-Fit, ça c'est pour l'intercommunication entre les réservoirs. Je ne sais pas, je connais pas la procédure, mais je sais qu'on peut, on peut se délester de notre kérosène. Captain Lee, je commence ma descente. Ok. Pas de soucis, l'ami. Pas de soucis. Mathieu Studio, salut Mathieu Studio, comment ça va? Salut à toi. Vous êtes bien escorté, ouais, c'est clair. Ah oui, oui. Il y a du monde là. Il y a du monde. Elle tente, faut que j'y aille, je vais break off formation. Okay, pas de soucis. Bonne formation à toi alors. Alexandre, bien le bonjour. Ah non, je vais break off, il casse la formation. Ah ok. Oui, oui, je croyais que oui. Il casse la formation, il est en vol en avion de chasse. Oui, il n'y a pas de soucis là. D'accord, pardon. J'y vais en formation. Je pensais que c'était ça.
Sam Kalemi, vous me manquez les amis. Il est mignon. Captain Neil, dernière descente du tour du monde, ça fait bizarre. Ouais, il reste encore des étapes, hein, ouais. Mais c'est vrai que là on arrive sur la fin, effectivement. Effectivement. Et nickel, il n'y a pas de dump dans la 320. Il n'y a pas de dump dans la 320, Manny? Il aussi il dit qu'il n'y a pas de purge sur la 320. D'accord, ok. D'accord, alors ils vont faire comment alors? Oh, merci beaucoup Thibaut. Oh Thibaut, ouais. Merci à toi, welcome aboard Dami. Merci beaucoup. Alors le dumping, les longs courriers de la part de Yves. Les longs courriers uniquement pour le délestage en cas d'atterrissage urgent. D'accord, ok, donc on les aurait sur des avions long courrier aucun. Okay. Donc là on retrouverait plus sur du style 777, ouais. 747, A380. Chose comme ça, Yves, c'est ça? Tu vois, le My Day, c'est pareil. Seuls les longs courriers vont lâcher le fuel possible. Ok, très bien. Sur la 320, tu n'as pas de dropping fuel, souvent appelé jettison sur les overheads. Ok, très bien, merci pour les infos les amis. Bah voilà, tout à l'heure on me demandait comment j'apprends. Ouais, d'où j'ai tiré mes informations. Bah ça tu vois, ça c'est un très bon exemple. Ouais, ça. Bah nickel, j'ai lu que la 320 pouvait atterrir hors tolérance. Sinon ils peuvent tourner pendant une heure pour se délester. Ok, d'accord. Ok. Je vois. Yves, les A320, ils tournent en rond pour consommer en cas d'urgence. D'accord, ok, très bien. Très bien, donc ça veut dire que s'il a... S'il a feu moteur, ils éteignent le feu moteur et ils tournent en rond et ils sont avec plus qu'un seul moteur. Par contre, c'est s'ils n'arrivent pas à éteindre le feu. Là, dans ce cas-là, ils vont pas pouvoir tourner en rond et de vitam aeternam, j'imagine. Après, ce sera un atterrissage, mais avec une vitesse beaucoup plus forte, quoi, hein, d'approche. Après, tu peux pas atterrir à une vitesse trop élevée non plus, sinon tu fais éclater tes pneus. J'ai oublié tuto béné. Tuto béné, tu me parles de l'application qui est juste ici là? Ça, par contre, comme je l'ai dit, hein, ça tu le vois, tu l'as, c'est visible que sur le stream. Hein. Moi, par exemple, sur ma fenêtre de jeu, ça, ces informations-là, là, que vous voyez avec la barre qui se remplit, je ne l'ai pas, hein, je le vois pas. Hein. Ah, alors, je ne sais pas lire le pseudo. Désolé. Ah oui, moi non plus, malheureusement. Good, thank you very much. Welcome my stream, guy. Thanks for watching me. And what's up? Where do you from? Je me demande si cette écriture-là, c'est pas du russe. Je sais pas du tout. Signe comme ça. Je ne sais pas. Alors, Look My Dead, ils peuvent poser sans casser le train, mais il faut une piste longue pour freiner. Ok, d'accord. Slows, j'ai une idée de vidéo pour toi si jamais. Vas-y, dis. Voilà. Manny. Non, ils atterrissent hors tolérance. C'est prévu pour d'après ce que j'avais lu. D'accord, ok, très bien. Pat, tu vas, Joe, la dernière vidéo de Fly By Wire sur la 320 et la 380. Non, je ne l'ai pas encore regardée. J'ai vu les photos, mais je ne l'ai pas encore regardée la vidéo. Chez le Bobby, tout va bien, Manny, après à confirmer auprès d'un vrai pilote. C'est vrai, c'est vrai. Et pas d'un boulanger. Pouletos. Bon, j'y vais, je pense que t'as voulu mettre. Bon, j'y... Eke. Oula, j'ai pas compris mon poulet. Peut-être qu'il a voulu mettre bon, j'y vais, je sais pas. Peut-être. Je ne sais pas, ça. Yasmar, j'ai un ami pilote à 320, je vais lui demander. Okay. Yves, en cas de feu moteur, tu atterris, tu ne fais plus trop attention au poids de l'avion, c'est une emergency procédure. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Benoît, bonsoir les amis, bonsoir à toi, bienvenue, comment vas-tu? Fabrice, bienvenue au-dessus de la Tunisie. Eh oui. Abassi, lol, Pouletos,
Lisbonne. Lisbonne, je pense que c'est ça. Ouais. Roland, bonjour, est-ce que tu es en heure réelle? Oui, tout à fait, Roland. Et bonjour à toi, Roland. Bonjour, Roland. Faut faire une rime, je pense. Ouais, ça, tiens, on a notre Triasmar qui est là. Il a voulu faire une rime, ça, je pense. C'est ça. Je vois que les avions de chasse jouent, là. Ça fait plaisir à voir. Salut, Slose, comment vas-tu? Salut Slose, c'est toi qui proposais une idée de vidéo. Dis-moi tout. Pouletos, à bientôt tout le monde, à bientôt mon poulet, à ok. Maintenant ça y est, j'ai compris. Des bisous à toi, merci d'être passé, ça a fait plaisir. Gros bibi à toi. Salut Sam, à la prochaine. Merci ouais, d'être passé. Bon, est-ce que ce vol vous plaît, les amis? Je vous laisse, j'arrive à Niort. Je ferai le vol demain, je suis en congé. Bonne suite et bonne fin de vol, bisous. Ok. Merci Pat, ça fait plaisir. Gros bisous à toi. Merci à toi. Et encore merci, l'ami, ça fait plaisir. Please Fos. Tsuji, mon pseudo in-game. Okay. Morganiseur. Ok, je vais. Ah, mais on le voit. Ah oui, Morganiseur, ouais. Je te vois, ouais, effectivement. N'hésite pas à m'ajouter en ami hein, si tu veux, il n'y a pas de souci, Tsuji. Hein. Mon blaze est juste ici, là, CoolShark72 en majuscule. Tous ceux qui veulent m'ajouter en ami sur le simulateur, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, il est là mon blaze. Ou le Sharks 72 en majuscule. KGT Cyril, salut à toi. KGT Cyril, salut requin Eli. Salut à toi, comment vas-tu? Bienvenue. Oui, tu me plais, oui. Ça. Captain Milou est super. Manicule, yes, chouette vol, ça fait une petite dédicace à Abassi. C'est ça, c'est ça. J'y ai fortement pensé à mon Abassi. Et nous ne passons pas par DAAG par hasard. Slose, si tu connais approximativement la procédure, ça devrait être simple. Ok, dis-moi tout. Matt, yes I. Itsuji, ça marche, merci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Philippe, c'est bien sur la 09 l'arrivée. Non, la 05, Philippe. Enfin, pour ma part en tout cas. Sébastoche, yes, vraiment cool ce vol avec ce beau coucher de soleil. Yes. Ah bah ravi que ça te plaise. Ah bah si, qui a le grand smile, ça fait plaisir. Astaro, merci beaucoup pour ton follow, ça fait super plaisir. Welcome aboard l'ami. Merci. Merci pour ton soutien. Ah bah si, il est content, il a mis plein de sourires. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Triasmar, je vais faire un passage rapide. Enfin, essayez. Ok, il n'y a pas de souci, l'ami. T'arrives de par derrière ou par de... Ah, il arrive par derrière. Ok, donc on va laisser la vue de par derrière. On le voit quand même. Exact. Là, on a chacun notre bouteille d'eau. Ça évite à chaque fois de demander à l'autre de se la passer. Mmh. L'autre personne, tu peux me la passer. Moi, tu peux me la passer. C'est surtout, plus simple. Vous pouvez demander à Juju, moi... En stream, je bois énormément d'eau. Je peux casser une bouteille d'un litre 5 en un stream. Ah oui. Mmh. Ça va, c'est de l'eau, heureusement. C'est ça. Heureusement, c'est pas du rhum, hein, parce qu'ayant dans l'état que je finirai les lives. Ah oui, c'est clair. Oh là là. C'est bien de l'eau, hein, je confirme. Kriasmar, c'est le domaine de Strix, normalement. C'est ça. Ah, Kriasmar qui passe à pleine balle. Et sur en le effet, dos. En effet. Captain Mille, je suis au niveau de Paris, le coucher de soleil est quasiment terminé. Ok, okay, très bien. Bien reçu, Captain Mille. Slose, alors en fait, pendant un live, tu demandes à des chasseurs de faire la procédure d'atterrissage, c'est-à-dire que tu simules un problème radio pour que des chasseurs viennent t'intercepter. D'accord, ok. Ouais, ça, pendant un live, ça peut être sympa. En plus, j'ai Strix qui se débrouille très bien dans le domaine. Donc, ça peut être sympa, effectivement. Thomas, salut, bon vol à toi. Merci, merci Thomas. Merci Thomas, salut à toi. Comment vas-tu? Astaro, bonjour à toutes et à tous. Sympa comme vol, reposant et bienveillant, mais pas de soucis, merci Astaro, à toi. C'est gentil. Et encore merci à toi pour ton follow. Yes. Maxime, coucou les meilleurs youtubeurs. Salut Maxime. Salut à toi Maxime, comment vas-tu? Voilà, Strix, ça y est, Strix s'énerve. C'est parti.
La GT, ça doit biper de partout les alertes trafic. Ah oui, oui, là j'ai mon Ticasse qui pète un plomb. Ouais, là, Sandra Webbuzz, salut à toi Sandra. Salut Sandra. V-O-A-S-Y-L, je sais pas à quoi ça correspond. Ces je sais pas, je sais pas. Est-ce que c'est son blaze? Peut-être. Priasmar, j'étais en Mac 1.0. Ok, Nauticals qui arrive. Ouh, un balai d'avion de chasse. C'est en ça. Même. Un gros balai aérien là. C'est moi où on est en train de refaire le salon du Bourget en Tunisie là. Slow, te faire des mouvements d'aile pour que tu les suives et faire un atterrissage guidé. D'accord, ok. C'est vrai que c'est une très bonne idée, je le reconnais. Je le reconnais. Philippe, la 05, pas trouvé. Ah, la piste 05. T'es bien sur DAAG. Priasmar, concours avion de chasse. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça là. Un c'est ça. Concours entre vous là. Celui qui va faire la plus belle figure. Ouais, grave. Qui va passer plus vite. En tout cas, on surveille. Close. Ok, ben hâte de voir ce live et peut-être y participer. Yes, pas de soucis, ben, de toute façon on verra ça après le Joe's World Tour et puis j'essaierai de peut-être m'organiser ce genre de choses. Ça va me demander du temps et de l'organisation, je pense. Donc à partir du moment où je vais retrouver un petit peu plus de temps, j'en profiterai. Chouf. Wow. Shell Bobby, ça va faire bizarre quand ton World Tour sera fini. C'est vrai, c'est vrai. Mais autre chose, c'est une aventure qui se terminera. C'est ok, c'est d'autres. Une aventure qui se terminera, mais pour en démarrer des nouvelles aventures. Plasma Mac 1.5. Ok, ok. Et c'est vrai que là, 27e étape, ça veut dire que c'est le 27e dimanche. C'est plus que la moitié d'une année. Bah ouais. C'est le 27e dimanche que l'on est dans le Joe's World Tour. Et que l'on partage cette épopée ensemble. En fait. Jerkion, étrange de je vois le soleil sur ton écran alors qu'il est couché chez moi. Ouais, bizarre. Hein, bien. Réglage, Shell Bobby, j'espère être là quand on va boucler le World Tour. Yes, carrément. Carrément, moi aussi, j'espère qu'il sera là. Ouais, il y aura le plus de monde possible d'ailleurs. Manicole, impressionnant les sons. C'est vrai que les sons sont très bien faits. Hein. Ouais. Ils sont très très bien faits. Nirana, salut à toi, comment vas-tu? Salut Nirana, salut. Captain Mill, moi je finis le mien en ce moment, je confirme, ça fait très bizarre. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. De toute façon, la dernière étape du Joe's World Tour sera pas sans émotion, je pense. Hein. C'est du temps passé. Ça a été un partage entre nous, donc c'est des moments qu'on ne peut pas oublier. Mais comme on vous a dit, pas d'inquiétude, il y aura d'autres aventures. Tout à fait. J'ai un petit peu de turbulence là. Top of descente pour moi, pas d'accord. De soucis l'ami. Bon top of descente à toi alors l'ami. Fabrice dit qu'on sortira le petit rhum pour la dernière étape. Oh oui. Oh oui les amis, je pense que ce vol se concrétisera par tout le monde à l'aéroport et tout le monde en apéro visio pendant le live. Quoi. Sébastoche, il dit en vous voyant boire de l'eau, ça m'a donné envie de boire une bière. C'est ça. Oh bah la vache. C'est pas tout à fait et pareil. Ouais, le Joe's World Tour, la dernière étape, je pense que la clôture, quand la dernière étape, on aura atterri, on sera parqué. Je pense que je viendrai dans un des vocals sur Discord pour vous rencontrer en direct live, les abonnés, et discuter avec vous pour nous donner vos ressentis, etc. pendant le live.
il doit rester quoi, un ou deux vols, c'est tout? Oui, oui. C'est ça? Ouais. Bien évidemment, quand je ferai ça, venir en vocal avec vous à la fin du Joe's World Tour, une fois que l'étape sera terminée, la dernière étape sera terminée, je compte sur vous pour pas faire de brouhaha. Bien évidemment, on va essayer de s'entendre et discuter tranquillement pour que ça se passe au mieux et puis que ce soit toujours compréhensible sur le live. De toute façon, vous parlerez à chacun votre tour. Et Admar, un dernier petit passage à haute vitesse. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y. Ah bah, il vient de passer par en dessous. Et Asmar qui s'éclate. Il fait des 360. C'est ça. Ouf, on a Strix qui vient nous côtoyer. Ouais. Il y a Manicum qui dit plus 1 Fabrice pour le fait qu'il ait proposé de sortir le rhum. Ok, nice. Dark Hunter, salut à toi, comment ça va? Salut. Comment je fais pour vous rejoindre? Je suis sur la carte du monde et je viens de vous envoyer une demande d'amitié. Burk 91. Ok, là je suis en vol donc je peux plus l'accepter. Mais pour nous rejoindre, sache qu'on est sur Europe de l'Ouest. D'accord? On est sur les serveurs Europe de l'Ouest. Je suis toujours sur les serveurs Europe de l'Ouest. Et voilà, je t'accepterai après le live en ami. Sans aucun souci. Et à l'avenir, bah, n'hésite pas à rejoindre le Discord parce que je poste toujours mon plan de vol la veille pour le lendemain. Et quand on sera en ami, tu pourras cliquer là où je suis, quoi, tu verras où je suis sur la map, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à m'ajouter hein, en ami, CoolShark72 en majuscule. Vous pouvez m'ajouter sur le jeu, j'accepte tout le monde. Didos, bon vol et surtout, oui, j'espère qu'il y aura d'autres histoires avec Fly Joe. Mais oui, t'inquiète pas. T'inquiète pas, c'est pas prêt de s'arrêter, hein. Je suis un mordu. Hein. Tu peux demander à Juju, Rougaille volant, qui nous escorte. Pas mal le loup. Ouais. Toto, salut les copains, salut Toto. Oh Benoît. Comment vas-tu? Salut ça mon Toto, ça va, c'est la forme. Fabrice qui demande l'arrivée après les fêtes de fin d'année. Sans doute, ou au moment des fêtes de fin d'année. Ça risque de tomber. Pas pour Noël, mais ça risque de tomber pour le nouvel an. Hein. Ouais, je pense. Parce que je pense qu'il doit rester à peu près deux étapes. Hein. Je fais clairement, il doit rester que deux étapes. Là. Ouais, tu dois retourner à Orly ou Nantes? Non, je vais remonter sur Portugal ou Espagne. Oui, c'est ça. Et après, je vais rejoindre Nice. Donc, Nice. À mon avis, il reste plus que deux étapes. Nice, voilà. Oui, voilà. Cette semaine, hein, que j'étais partie, donc je savais que c'était en France, mais je savais plus Nice, Nantes ou Paris, je m'en rappelle. C'est ça. Dark Hunter, ok, ça marche, merci à vous. Mais il n'y a pas de souci, avec plaisir même. Philippe, affirmatif, j'ai la 05. Ok. Oh, Dark Hunter, ok, c'est noté, trop bien, merci et bon vol à vous. Mais pas de souci, avec plaisir même. Pour ceux qui veulent rejoindre le Discord, allez bien sur ma chaîne YouTube. Sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube, la vidéo qui est sur ma page d'accueil, elle vous dit comment rejoindre le Discord. Il ne se rejoint pas juste en cliquant dessus. Hein. Il y a une petite procédure à faire. Didos, Quimbéret, Pamoli, je pars au boulot. Pas ni problème. Pas ni problème, mon gars. Pas ni problème, Timal. Bon courage pour le boulot et Quimbéret, Pamoli. Et à très bientôt, Cuisos, l'ami. Toto, bien et vous? J'arrive, ça parle de Rome, c'est ça. Écoute, ça va nickel, je te remercie. Toi, ça va, c'est le principal, c'est ce qu'il faut. Ça va aussi. C'est vrai que c'est bizarre, comme par hasard, t'arrives au moment où ça parle d'alcool. C'est bizarre. C'est ça. Captain Mill, atterrissage pour moi, et ben bon courage mon cher Captain. Shell Bobby, dernière étape avec escale pour que ça dure l'œil. Ok, pas de soucis. Et Toto, ouais, toujours merci. Dans ces moments-là, j'arrive. Ouais, ouais, on reconnaît les addicts. À quand un apéro? À quand un apéro? Bah écoute, mon Toto, faut que tu nous fasses signe. Pas de soucis. Pas de soucis. J'imagine les gens qui voient actuellement
leurs cartes, qui sont sur Europe de l'Ouest et qui voient leur map monde du jeu à cet endroit-là avec tous les avions qu'il y a autour. Ghost Falcon, rebonjour ma Juju, re à toi. Re mon Steve. Look Mind Date, c'est toujours le bon moment pour l'apéro, tout à fait. Tout à fait. Toto, ce serait bien, soit avant les fêtes ou après les fêtes, un apéro vidéo, qu'en pensez-vous? Bah ouais, carrément. Oui. Carrément, et je le propose sur Discord plutôt que sur Messenger parce que c'est chiant avec les téléphones et tout, mais sur Discord, je trouve ça plus mieux quoi, on s'entend ouais. Mieux. Bon, voilà, pour les fêtes pas... de fin d'année. Toto, il n'y a pas un peu trop de monde, mort de rire. Trop de monde? Non, il n'y a jamais trop de monde, mon Toto. Mais il y a du monde. Mais effectivement, il y a du monde. Et il y a de l'escorte. Là, je peux te dire qu'il y a du loulou. Là. Ah, Steve, il dit que je t'ai envoyé de belles photos. Ok, je regarderai ça tout à l'heure, mon Steve. Toto, ouais, faut juste que je m'achète une cam pour le PC. Il n'y a pas de souci, mon Toto. Il n'y a pas de souci. Je vais regarder, j'entends plus de musique. Ah oui, ça va. Je veux de la musique. Je sais pas pourquoi quand je vous vois avec les avions de chasse là autour, j'ai toujours la musique de Top Gun en tête quoi. Priasma, je n'escorte pas moi, je fais un spectacle. Ouais, je vois ça. Je vois ça, t'es en train de nous refaire le salon du Bourget comme je disais tout à l'heure. Photo, des modèles de cam à conseiller pour de la bonne qualité. Pour de la bonne qualité, bah moi j'ai ma C922 Pro qui est très bien. Personnellement, après il y a peut-être des personnes mieux. Si t'as une GoPro, c'est pareil, tu peux l'utiliser en webcam, il me semble. Cléasmar qui est mort de rire, Shell Bobby, c'est classe, n'empêche. Ouais, bah oui, c'est classe, mais c'est toujours un bon moment qu'on partage en plus tous ensemble. On est tous ensemble, que ce soit sur le chat, on a une interaction, et aussi pour ceux qui sont dans le jeu avec moi, on a une interaction visuelle, on est là, on est tous ensemble. Autant on dirait un avion présidentiel escorté par l'armée. C'est, pas c'est fou, ça, c'est comme vrai. Tout à l'heure quelqu'un disait Air Force ouais. One. Ouais, ouais, c'est ça, on dirait vraiment, ouais, quelqu'un d'important, c'est escorté. Captain Mill, atterrissage terminé. Et ben, GG à toi, mon cher Captain. GG. Chez Bobby, mon Joe, je vais changer de micro, tu utilises lequel, s'il te plaît? Il est en XLR. Alors non, il n'est pas en XLR, il est en USB. Il est en USB et j'utilise l'AT2020 de chez Audio Technica. Voilà, c'est un micro que j'utilise depuis plus de 10 ans maintenant, qui est toujours de très bonne qualité, de très bonne facture, et qui évite d'avoir une interface audio. Toto, bonjour monsieur le président, calme-toi Toto. D'ailleurs c'est bientôt les élections. C'est ça. Au mois de mai. Votez Blue Lady Cool Sharks. Ghost Falcon, tu verras, il y a pas mal de pollution lumineuse, alors je peux pas zoomer. Ok, il n'y a pas de souci. Fabrice, Top Gun 2 bientôt au cinéma. Ouais, Top Gun 2 c'est prévu, les amis, c'est prévu pour le début d'année 2022, hein, c'est ouais, ça. Captain Mill, merci, pas de soucis l'ami. Michel Bobby, merci, pas de problème. Toto, dites monsieur le président, ils sont où les salaires, mort de rire. Ouais. Les salaires, je vois pas du tout de quoi vous parlez. La masse salariale engagée par l'État, bien évidemment, apporte l'usufruit escompté à la masse de travail apportée par l'ouvrier et le travailleur et l'employé. Je serai fidèle. Vous voyez, là, je suis en train de vous balancer des mots histoire de vous perdre un petit peu de la grande politique. La rhétorique. Et les bouteilles, elles sont où, mort de rire? Fabrice, c'est drôle, moi, le soleil est déjà couché. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Si je mets la météo, il est quelle heure? 17h39. Je suis en météo réel, hein, donc voilà. Ah, 17h06. Pourtant, ah bah oui, avec le décalage, suis-je bête. 17h06, là où je suis. Oui, voilà. Bah non, là où je suis, c'est 17h07. 16h07. Ah bah, c'est ça. Météo en temps réel, temps réel. Oui, il est bien activé. Hein. Ouais. Peut-être un, je sais pas, un petit bug pour certains, par rapport au réglage, je sais pas. Toto, c'est bizarre, je parle toujours d'alcool.
On va penser que je suis un alcoolique. C'est ça, mon toto. C'est ça. Oui, ouais. Ça peut, ça risque. Ouais. Et on fait plus que le penser. Fabrice, 17h38 pour moi. Fabrice, 17h38 pour moi. Alors, la vraie heure, notre heure, oui, c'est ça. Mais dans le jeu où tu es. Mais ça devrait être ça. Hein. Ça devrait être ça. Et là, j'ai 17h06. Je ne comprends pas pourquoi. Toi, 17h40. Ouais. Ok, merci les pompards, je prends note dans le calepin, mort de rire. Pas de problème. Gerpion, pareil, soleil déjà couché, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Bizarre. B2G, in-game, manicule, ah, 17h40 ouais. Chez moi. Ouais, bah, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, pourtant, vous voyez, hein. Temps réel est bien activé, alors attends, je vais essayer de faire quelque chose. Ah, il est en overspeed. Vous inquiétez pas, ça va se résoudre. C'est parce que j'ai changé, voilà. T'as mis 17h40. Voilà, j'ai remis en temps réel un bug. Ouais, un bug. Là, c'est bon, c'est remis en temps réel, 17h41. Je sais pas pourquoi il s'est bloqué à 17h06. Il voulait nous laisser le soleil, du coup, en fait. C'est peut-être pour ça. Alors, comme en ce moment, on n'a pas beaucoup de soleil, avec... comme on est en automne, les journées sont plus courtes. Oui, vous voulez nous laisser encore un peu plus de soleil. Ouais. Il fait déjà nuit, donc c'est bien. Ouais. Et c'est ça, Shell Bobby, c'est bien senti, Nautic Miles. Yasmar, dernier passage, retour à la base. Ok, pas de soucis. Captain Mill, à Paris, dans NSFS, le soleil est couché. Ok. Yasmar, FS18. Yasmar, Garkion, 17h41, oui, on a comme ça. Okay. Toto, j'ai du soleil, moi perso, mort de rire, Mani. Azul, du coup, tu as raté le coucher de soleil, c'est ça. Ouais. Yuzi, c'est quoi le son de tes moteurs? Là, mes moteurs, c'est des CFM. Mais ce que t'entends qui fait pchit, qui fait pchit, à mon avis, c'est les avions de chasse que t'entends. Shell Bobby Merky, pas de soucis. Pas de soucis, mon Shell Bobby. Salut à toi, Aline Grandcoin, comment vas-tu? Salut Aline. Tu as dû rater le coucher de soleil. Oui, bah oui. Coucher ouais. De soleil, c'est dommage. On a encore une horizon, hein, mais voilà. C'est dommage. Je comprends pas pourquoi il s'est bloqué sur 17h06. Ouais. On n'aurait pas dû. T'étais en temps réel pourtant. Bah ouais. Toto, il demande si t'as des nouvelles. Si tu as des nouvelles, on a des nouvelles. La 380. Alors, j'ai pas trop de nouvelles. Il y a une vidéo qui est sortie actuellement, donc je vais aller la regarder puisque je sache. Ils ont dit exactement, mais à ce que j'ai compris, ils ont juste montré des photos supplémentaires de la 380. Et sur ces photos, on voit qu'il est encore un peu plus modélisé qu'auparavant, avec un très beau boulot d'ailleurs de surcroît. Parce que je suis allé voir quand même les photos. Et par contre, j'ai toujours cette hype envers cet avion, j'ai toujours hâte de l'avoir. Aujourd'hui, j'ai tellement volé sur Airbus que je connais Airbus beaucoup plus que Boeing. Donc j'ai hâte de tester cet A380. Aline, je vais bien et vous? Ça va bien, Aline, merci beaucoup. Ça va nickel, merci. Et toi, ça va? C'est le principal, c'est ce qu'il faut. Toto, d'accord. Fabio, salut à salut toi, comment Fabio. Vas-tu? Bonjour, j'ai une question. Comment on fait pour vous rejoindre aujourd'hui ou une autre fois? Alors, Fabio, déjà, tu peux m'ajouter dans le jeu. Tu vois, mon blaze, il est là. Cool Sharks 72 en majuscule. Tu peux m'ajouter dans le jeu, j'accepte tout le monde. Hein. Ok. Comme ça, tu vois où je suis sur la map. Et autre chose que tu peux faire, c'est rejoindre le Discord. D'accord. Pour rejoindre le Discord, va sur ma chaîne YouTube, ma vidéo sur ma page de présentation, ma vidéo dessus explique comment rejoindre le Discord parce qu'il ne suffit pas que de cliquer sur le lien pour le rejoindre, il y a une petite procédure à suivre. Et puis sache qu'une fois que tu auras fait ça, je poste dans Organisation de vol, toujours la veille pour le lendemain, le plan de vol qui va se dérouler. Voilà. Chez Bobby, bientôt je me prends l'ensemble de mes tombes. Ah, tu vas te faire plaisir. Toto, t'as reçu tes palettes de commandes Airbus? Oui, bien sûr. Bien sûr, Toto. Bien sûr que je les ai reçues. Alors là, je peux pas te montrer parce que du coup, quand Juju est avec moi, je peux pas mettre ma cam sur les commandes. Mais oui, je les ai, les commandes. Fabio, ok, merci, pas de souci, avec plaisir. Salut Flavien, comment vas-tu? Salut, ça va? Salut, je n'ai fait que passer rapidement d'ailleurs, j'avais une petite question. Quel est ton écran, Joe? C'est une bonne question. C'est un Samsung Ultra Wide 49 pouces. Par contre, la référence, je m'en rappelle pas.
me rappelle pas. Il fait 1m24 de long. C'est un écran incurvé. Mais j'ai plus la référence. Ouais. C'est genre C49 quelque chose. Photo, d'accord. Plasma FS18, Plasma. Je te souhaite une bonne fin de vol. Mission terminée. Pas de soucis, Kriasmar. Okay, merci Kriasmar, à toi. Merci. En tout cas, ça fait super plaisir. Gros bibi à toi. C'est que je crois que c'est un C49. Ouais, c'est ça. Ça commence par C49, mais j'ai plus toute la désignation. Philippe, pourquoi il y a marqué sur mon cadran NAV TICA Standby? Ça veut dire que ton TICA s'est coupé. D'accord. Donc, ici, là, le TICA, c'est ça, là. C'est ce bouton-là. Ok. Et il faut que tu mettes ce bouton ici sur Tara. Putain, j'ai pas encore détaché mes passagers, moi. Les passagers, je les détache plus, moi. C'est un truc de fou. Ils vont dire, là, où est... J'ai envie de pipi, j'ai envie de pipi, j'ai envie de dire, mon papou ou pas. JP, dans 50 nautiques miles, le top of descente pour moi. Ok. Pas de soucis. Pas de soucis, donc. Toto, stylé le vol avec ce ciel. Ah, c'est vrai que c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. L'Afrique du Nord nous accueille à bras ouverts. Alors Kriasmar, écran gaming Samsung C49 HG90 DME 49 pouces, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça, Kriasmar, ouais. Fabrice, j'ai vu que CP Flight a sorti une mise à jour pour faire fonctionner le MCP et EFIS sur la 320, mais je n'y arrive pas. Ok. Toto, c'est pour ça que j'étais bloqué sur le siège, je ne pouvais pas me lever. C'est ça, mon Toto. C'est ça. Gros modo, salut à toi, bienvenue, comment vas-tu? Shell Bobby, dans ma compagnie, je les laisse attacher quelles que soient les conditions. Ok. Gros modo, vous faites quoi? Vous allez où? Alors, nous réalisons un vol, nous continuons le Joe's World Tour, nous sommes à la 27e étape. Nous sommes partis de Lucas Malte, LMML, vers Wari Boumedienne, en Algérie, donc à Alger, D-A-A-G. Greg Sky, salut à toi. Salut. Merci Greg Sky. Pour tous tes tutos sur YouTube. Mais de rien, la vie avec grand plaisir. Merci à toi pour le retour. Kriasmar, il te reste combien de temps de vol sinon? J'ai pas fait attention, mais il doit me rester. Attends. Ça fait 1h08. Il me reste 40 minutes, à peine 40 minutes. N'importe quoi. Il me reste 46 ou 48 minutes de vol. Pardon. Nauticals, moi, allez, moi, je fonce à l'aéroport. Pas de soucis, l'ami. Ok. Pas de soucis. Toto, je n'irai pas dans ta compagnie. Toto Bobby, t'inquiète pas, Toto, il mange plus que bien. Que des produits du terroir. Et de la Corse. Je reviens. Juju, je te laisse en agréable compagnie. Ouais. Mordeur Shadowy. Et ben voilà Toto. Et après tu vas dire que les gens vont te prendre pour un alcoolique, mais tu vois, tu parles encore de boire. Shadowy, allez Juju, prends les commandes. Je surveille. Jarkium, coucou la pitchoune. Fabrice, coucou. Abassi, coucou Choupette. Merci beaucoup Uberkunter pour ton follow sur YouTube. Un grand merci à toi. Toto, mesdames, messieurs, suite à l'absence du commandant, nous allons nous cracher, mort de rire. Non, ça va aller, Toto, ça va aller, t'inquiète pas. Et Toto, boire de l'eau. Oui, bien sûr, c'est à ça que tu pensais, Toto, on y croit tous. De l'eau de vie, non, c'est pas ça? Non, je crois que c'est de l'eau ferrugineuse. J'ai vu ça. Toto, il a mis Kuchel Bobby, il a mis qu'il voulait pas que manger, il voulait boire. Et je lui dis, bah tu vois, après tu vas dire qu'on va te prendre pour un alcoolique, mais tu parles encore de boire, Toto. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit boire de l'eau après. Et j'ai remercié nos deux follows, on a eu deux là. Ok. Pour XRS et Berkunter.
Ok, bah welcome aboard les amis. Merci de votre soutien, ça fait plaisir. Et Chef Bobby, il a dit allez, Juju prends les commandes, donc j'ai dit je surveille pour l'instant. Et Alicia, elle lui fait un coucou avec la main. Donc elle a eu coucou la pichou, coucou. Ok. Voilà. Je vais rentrer mes pertes d'approche. Toto, à quoi tu avais pensé, Juju? Je parle de boire de l'eau. Bah oui, Toto, je pensais à. Pour toi, je pensais à de l'eau de vie. Bien sûr. Ou quelque chose qui a la même couleur que l'eau. Par exemple, le rhum. C'est ça. Et le rhum classique, hein, pas le rhum ambré, évidemment. Le rhum classique, ça a la même couleur. L'altitude de transition, c'est 3940 pieds. Toto, mort de rire tout de suite. Ou la vodka. Lui aussi, ça a la même couleur. Ah, tu vois, tu t'y connais. C'est ça. Et normalement, en toute logique, 540. Voilà. Il y a du people, hein. Il y a du people. Et par contre, les avions de chasse, c'est vrai que c'est beau avec les feux de neuf. Hein. Ouais. C'est très très joli. On dirait des sapins de Noël de loin, des guirlandes. Si vous voulez les gars, donc Adag et Strix, si vous voulez, mettez-vous de l'autre côté. On profite du beau côté lumineux. Vous pouvez vous mettre en escorte un petit peu loin devant. Surtout il y a les morts de rire et il est... Sinon du Saint-Clément, c'est bon aussi. Alors, c'est-à-dire soit Saint-Étienne ou Clément. C'est ça. Ou alors il mélange. Le Saint-Étienne rhum Saint-Étienne et le rhum Clément ensemble. Peut-être. Ouais, puis ils ne sont pas vraiment en mode furtif. Ah non, là non. Toto, le rhum Clément. Et oui. Ça escorte dur, hein. C'est magnifique, c'est magnifique. Je suis ravi de partager cette 27e étape en votre compagnie, les amis. Mmh. Moi aussi. Ravi d'être là. Eh oui. Toto, il dit, bref, si on arrêtait de parler d'alcool. C'est ça, parce que ça va devenir la chaîne de, de ouais, référence puis, voilà. Pour la tease. Là. Puis c'est surtout Toto, après, ça va lui donner envie d'aller prendre un apéro. Alors. C'est ça, de toute façon, là, il tremble déjà. Il tremble déjà. JP, t'as pas de descendre pour moi. Ok, JP, bien reçu. Le Bobby a consommé avec modération, tout à fait manicule. On va entendre des avions de chasse toute la nuit. C'est ça, c'est ça. Toto, mort de rire, je vous attends, moi, mort de ça a l'air d'être niveau présence peut-être un peu plus facile le dimanche après-midi plutôt que le dimanche matin. Non, je sais, non, c'est à peu près pareil. Ouais, 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 ouais. En vol, c'est à peu près pareil. C'est pas sur le chat, ouais. Je sais qu'il y a du monde aussi, mais niveau présence en vol en fait. Mm-hmm. Ça, Toto, il demande par contre s'il n'y a pas de lumière à votre avion. Si. Voilà. Là, l'altitude où je suis, tu laisses que les feux de navigation, les strobes et le beacon. Philippe, ok Joe, ça marche. Pas de problème. D'accord, on voit le mec qui connaît rien à la navigation. C'est ça, mon Toto. Ouais, l'aviation d'ailleurs. La navigation. Si Toto, il me semble qu'il a volé un petit peu. Hein. Ouais. Il connaît un peu l'aviation. Il a mis la navigation, mais la navigation, on peut plus parler d'aviation là du coup.
Non, bah, la navigation, ouais, tu peux dire. On dit navigation hein, d'ailleurs. Aussi, d'accord. Quand on voyage. Quand on vole. Ouais. Dasmar, landing confirmé. Pchit. Le retour à la base était sans encombre. Pchit. Et bah, GG à toi, Kriasmar, bien reçu. Super. Jerkion, le matin, c'est peut-être mieux. Moi, j'aime bien. Du coup, là, ça fait peu de fois que je fais l'après-midi. L'après-midi, j'aime bien aussi. Mais par contre, faut pas que je sois du matin au boulot le lendemain. Non. Itsuji en descente les amis, très bien reçu Itsuji. Fabrice, pas d'éclairage sur la gouverne. Non, pas d'éclairage sur la gouverne. Fabrice. Le matin c'est pas plus facile altitude. Pour moi d'être là en plus. L'après-midi, pardon, c'est plus facile pour moi d'être là. Que c'est moi. Ça. Plutôt, ouais, un peu sur la F6, mais vite fait. Ok. Moi, je suis plus côté conducteur de bus et conduite de train. Ah, ouais. Ok. Captain Mill, bon voilà, j'ai fini mon tour du monde. Ah. Waouh, GG à toi, félicitations à toi, Captain Mill. Une bonne chose de faite. C'est ça. Donc, GG à toi, Captain Mill, pour ton tour du monde. Ouais, un gros big up. Je vais regarder. Ok, on va approcher notre top of descente. Je vais commencer à rattacher les passagers. Ils n'auront pas été détachés très longtemps. Je vais checker le métar. Qui reste inchangé pour le moment. 17 degrés de température, 7 degrés de point de rosée. Toto, mais je pense que je vais m'y mettre à l'aviation. Ok, bonne nouvelle ça, bonne nouvelle. Captain Mill, merci mais de rien. Valentin, je fais un Paris-Dubaï en A32NX en cockpit partagé, c'est vraiment plaisant. Ah, excellent. Cockpit partagé, du coup tu utilises your cockpit, c'est ça? Your control. Manicle, l'éclairage sur la gouverne, c'est pour le sol. Si la TC te dit par exemple suivez le 737 Air France, ça permet de voir la compagnie de l'avion. Dixit, un vrai pilote d'A380, enfin je crois. Ok, d'accord, très bien. Thibaut, recoucou les amis. Je suis en météo, recoucou à toi. Je suis en météo et heure réelle. Je vois qu'il fait encore jour chez toi. Tu as changé l'heure sur ton simu. Alors si tu vois qu'il fait encore jour chez moi, ça veut dire que tu es très loin en arrière dans le live là. Oui, ça a dû... À mon avis, enfin des fois ça fait ça quand vous revenez sur le live. Ouais, ça YouTube, reprend là ça où tu t'es arrêté. Tu t'es arrêté, en fait. Donc ouais. Tu peux mettre avancer pour remettre en direct. Tu verras ouais. Qu'il fait une pique. Toto, faut juste que je vois si le PC va pouvoir le faire tourner. Ah ok. Valentin, your control, ouais. Ok. KGT, vous êtes tous à la queue leu-leu sur la map monde. Ah excellent, excellent. Christine, salut à toi, comment vas-tu? Et oui, ça va, je te remercie. Et toi, comment vas-tu? Fabrice, merci Manicle pour l'info, carrément, carrément. 143 nautiques miles, on s'approche. C'est beau de voir l'avion de chasse là. Ouais. Nautical, j'ai passé le mur du son, nice, super. Darren à Thibaut, avance le live. Ouais, merci Darren pour passer l'info. Chez le Bobby, top of descente pour moi. Ok, et bah bon top of descente à toi, chez le Bobby. Du coup, j'ai même pas salué Christine Delattre. Salut à toi, parce que ma fille me parlait. Yes. Toto, ça sent qu'on arrive. Ah oui, 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 tout à fait, mon Toto. Enfin, on arrive sur le top of descent. Toc. Hop, ma bague.
Donc le 300. Voilà. Bobby, JP, offre l'apéro. Ah, super ça! Bonne nouvelle! Toto, je vous informe, monsieur le président, que votre escorte à terre est prête. Non, mais, très bien, très bien. Captain Hill, bon atterrissage, je vais faire le débriefing. Yes, okay. Pas de soucis. Toto, voilà, il y a... pas que moi qui pense à l'apéro, c'est ça. C'est vrai, là il n'y a pas que toi. Michel Bobby en a parlé aussi. Eh oui. Hop, je vais faire attention, hein. Je ne overshoot pas le top of descent quand même. Comme à ma grande habitude. Chez le Bobby, je comprends rien à l'approche, lol. Suis une catastrophe pour le vol. Ça va aller l'ami. En fait, là tout simplement, ça veut dire que tu vas arriver à l'opposé de ta piste. Ok ? Donc sur ALR, il faudra que tu sois à 2300 pieds, stabilisé. Tu vas aller plus loin jusqu'au au point D6.0 et au point D6.0, en fait, tu fais demi-tour au cap 52. Et tu reviens. Et quand tu arrives sur le point. FD05, d'accord, tu entameras ta descente, ok, avec un angle de 3,26 degrés, voilà. Soit si on est à 140 nœuds, ce sera 808 pieds par minute de descente, ou si on a 120 nœuds de vitesse, on descendra à 692 pieds par minute. Bientôt, bientôt, les amis. En fait, Alicia, elle, avec sa montre, elle était encore à l'heure d'été. D'accord. Et elle croyait qu'il était l'heure de manger, qu'il était 7h. Ah, d'accord. Elle sait que souvent, on mange vers 7h-là. Et quoi, elle a dit, mais ça va bientôt être l'heure du repas. Et j'ai dit, bah, en fait, non, Malou, en fait, ta montre, elle n'est pas à l'heure. Elle est encore à l'heure d'été. Donc, je vais re-régler à l'heure d'hiver. C'est ça. S'il est que 18h, on sait. On est dans les temps. C'est quoi, en fait ? Ça veut dire quoi, l'heure d'été ? Alors, Shell Bobby, ok, d'accord, merci mon poulet. Je suis moins stressé, lol. Ben, y a pas de soucis, l'ami. Eldadu ou Eldadou, bonsoir à toi, bienvenue sur le live. Merci de passer, ça fait plaisir. Comment vas-tu ? Hop, on va faire très attention. On va arriver aux 106 nautiques miles. Top of descente dans 2 nautiques miles pour nous. Eldadou, salut à toi Eldadou, comment vas-tu? C'est parti. Steve, allez, je vous laisse ce soir, c'est pizza maison. Et c'est Bibi qui doit les faire. Lol, des bisous, ok. Pas de soucis, mon Stivax. Alors, bonne pizza. Gros bibi à toi et bonne pizza. Bon appétit à vous, les loups. Voilà, et bon appétit. Yves Manicle, bonsoir. L'éclairage sur la gouverne ne sert que pour la publicité de la compagnie. L'ATC suit le NR de vol, l'altitude et sa vitesse. Pour un autre avion, il le suit sur son petit casque. Ok, son petit casque, ok. Eldadou, ça va et vous? Ben, ça va nickel, je te remercie. Bonsoir, toi, ça va, coup, c'est principal. Ouais. Et ça va. Et je lui avais dit bonjour aussi. Ah, ok. Oui. J'avais pas entendu. Nauticals, atterrissage imminent. Eh oui, Nauticals, bon courage à toi. Toto, je vous laisse les copains. Bisous à vous. Et ben gros bisous à toi. Merci de passer, mon Toto. Merci, Toto. À la prochaine. Et de rien, mon Stivax. Voilà. J'ai décoré ma ferme, Steve. Nous, ce soir, ça risque d'être normalement Subway, logiquement. C'est ça. Logiquement, c'est ça. Slavo, j'ai envie d'avoir une Xbox juste pour ce jeu parce que malheureusement, sur PS4, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ou après, peut-être un PC.
aussi. En tout cas, il est sur Xbox ou sur PC. C'était 1026. Manicole à Yves, ce sont les dires d'un vrai pilote, pas les miens. Ghost, ah, je vais voir ça alors. Lol, il faut que je m'occupe des sapins aussi, ça prend de la place pour rien. Ah oui, oui, tu m'étonnes, mon petit Steve. Décoré, c'est ça, c'est parce que tu en mois de Noël, c'est ça? Non, 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 du non, tout. Pas forcément du tout. Noël. Non. Jerkion, je joue sur série X avec clavier, souris, manette et bientôt Otas et Palonnier. Le jeu tourne bien. Ok, nickel, nickel. Ah, puis tu vas te faire plaisir quand t'auras le Otas et le Palonnier. Mani et le Ticas ne s'activent pas au push, je pense, mais plus tard. Et je ne pense pas que tu as le call sign sur le Ticas si. What? Chel Bobby qui donne, qui fait encore un don de 1€ sur la chaîne, un énième don. Merci à toi Chel Bobby pour ton soutien, ça fait super plaisir. Merci à toi DGG pour Chel Bobby dans le chat, les amis. Merci de ta générosité. Calme-toi Chel Bobby, calme-toi. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup. Merci pour les GG les amis. Dadou, des nouvelles pour la sortie de X-Plain 12? Pas du tout, pas du tout. Puis j'avoue, du coup, je suis pas allé pêcher les nouvelles de ce simulateur puisque je compte pas le prendre à l'avenir. Astaro, reçu le Velocity One pour la Xbox et PC. C'est le bonheur. Ok, tu t'éclates bien avec alors. Toujours notre escorte, hein, fidèle. C'est joli, hein. Oh, j'adore. C'est beau. Oh, petit rollback. 4 avions de chasse, en fait, c'est ça. 1, 2. Et il y avait Kriasmar tout à l'heure, ça faisait 3, mais là, il est plus là. Il y en avait 4. Rougail volant, c'est un A330, je crois. Chat Bobby qui dit on dirait des guirlandes de Noël, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ce que je disais tout à l'heure, ouais. Nauticals, quelqu'un sait si sur Xbox Series S, le jeu tourne bien? Alors moi, j'en ai aucune idée, puisque je l'ai pas dessus, mais s'il y a des gens qui l'ont sur la Xbox Series S... C'est beau, Coco. Ok, j'ai mon point d'essai qui est là. Ok. Astaro, il dit sans souci sur série S. Je pilote sur série S quand je suis en déplacement. Vraiment aucun souci. D'accord. Eh ben, merci de ton retour, l'ami. Ça fait plaisir.
Oh bah on est bien là, ma Juju. Ouais. Nauticals, super, merci. Et oui, merci à Astaro. Hein. C'est Astaro qui a balancé l'info, donc merci à lui. Yves, pour Manicle, il a peut-être fait de l'humour. Entre les avions, il faudrait des jumelles. De plus, voir le logo en vol, il faudrait croiser l'avion de près. De ma carrière, je n'ai pas connaissance de cela. Chez Bobby, c'est toujours prisé les Honnêtes Combes, où il y a encore de la chance d'en avoir un direct. Bah écoute, j'ai pas suivi. Du coup, ayant mes Honnêtes Combes, je pense que je vais me remettre au jus le jour où ils sortent leur palonnier, vu que je le prendrai. Et je sais pas du tout où ça en est au niveau des stocks. Olivier, il te reste combien en fuel on board? Il me reste 3 tonnes 840. Astaro, la seule différence X et S, la X le fait tourner en 4K, pas la S. Mais en dehors de ça, c'est ultra fluide et stable. Ok. Michael, il avait bien précisé au sol, donc il lui dit désolé, Michael, j'avais cru en. D'accord, ok. Voilà, on va avoir pour l'approche en VOR 05, pour la piste 05, on va voir comment ça va se passer puisqu'il faut qu'on passe au-dessus de l'aéroport pour faire demi-tour et revenir vers la piste 05. Ah ouais? Ouais, et du coup avec un atterrissage manuel, donc un petit peu de défi, un petit peu de plaisir, ça va faire du bien. Olivier, la carte VFR ne fonctionne plus? Non. Alors la carte VFR fonctionne, d'accord, mais tu n'as maintenant le trajet que tu importes dans ton A32NX. Ne s'affiche plus sur la carte VFR. D'accord. Par contre, tu as d'autres solutions pour regarder ton plan de vol. Ça sera l'objet d'un tuto prochainement. Il suffit juste de savoir utiliser son navigation display en fait dans l'avion. Psych, salut, perso, ce sera le nouveau TCA Boeing qui m'a l'air plus joli. Ah, salut à toi, Psych. Salut, Psych. Ah bah ouais, carrément. Bah écoute, si jamais tu le prends, tu nous feras un retour dessus, l'ami. Eldadou, il faut repasser en version stable, car la carte pour la carte signe. Ok, la version stable propose encore le trajet. Ok, ouais. Moi je suis en version dev et je reste en version dev. Et de vitam aeternam, du coup ça ne s'affiche plus. J'ai vu des nez d'avion de chasse. Oh là, bah dis, là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4. 4 avions de chasse. Waouh, autant d'escorts. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas de ma faute, hein, promis. Pareil pour le radar météo. Ok. Merci de l'info, Eldan. Psych, yes, déjà précommandé, sorti le 23 décembre. Ok, wow, tu dois avoir hâte. Hein. Tu dois avoir hâte. On va bientôt s'approcher de la phase d'essai. Alors, Itsuji, Eldadou, tu m'enlèves les mots du clavier. Kazmar, Joe, lâche la drogue. Par la porte arrière, ils y verront que du feu, t'inquiète pas. C'est ça, c'est ça. Dis-le-nous si tu veux être laid pour des trucs. Ouais, bon, ça va, ma chérie. C'est gentil.
Train d'atterrissage, tout ça, ouais, ça marche. Upside, salut Joe, ça va? Bah ça va nickel, et toi, comment vas-tu? Bienvenue. GP en phase landing, ok, bah bon landing à toi alors là. Hop. Salut Friki Jerry, bonsoir, le vol se passe bien, super. Ouais, super, salut à toi l'ami. Comment vas-tu? Kriasmar, second degré, bien sûr. Oui, t'inquiète pas, Kriasmar. On avait bien pris, on avait bien t'inquiète compris, t'en fais pas. Itsuji en phase ILS, piste 09. D'accord, toi tu vas atterrir en piste 09 en ILS. D'accord, ok, très bien. Ouais, ça fait un moment. Ouais, ça va être sympa, je pense. Pas si parmi vous, il y en a qui aiment bien faire un petit subway de temps en temps. Pour nous, c'est pas le truc qu'on fait le plus souvent, mais de temps en temps, pour changer, c'est vrai que c'est sympa. Ouais. Dirkion, t'as de la chance, si ma femme pouvait piloter avec moi, ce serait le rêve. C'est vrai. Ça, je le sais que j'ai beaucoup de chance là-dessus. Friki Jerry, nickel, nickel, petit vol aussi depuis Amsterdam vers Toulouse avec la toute dernière scène LFBO de chez Flybeam. Ok, nice, excellent ça. Itsuji, il y a longtemps que j'en ai pas mangé. Ok. C'est magnifique, à chaque fois on en prend plein les yeux, hein. C'est un truc de fou. Hein. Je me demande si je commence pas à percevoir les pistes. Tiens. Ouais. On est bientôt à la fin du vol. En tout cas, là-haut, l'avion, il est sur le trajet, il est presque arrivé. C'est ça. Faut pas que je me gourde piste. La 5, normalement, elle est là. Il y a Bassi qui a ça, déjà c'est atterri. La 9. Ça, Bassi, il a déjà atterri. Où il est en phase. Il va arriver, peut-être. Ouais. Il est proche de la piste, en tout cas. On voit, il est bien là. Astaro qui dit la mienne ne pilote pas avec moi, mais on fait de la musique ensemble, c'est déjà top. Ça, c'est excellent, ah, ça. C'est cool. C'est excellent, ça. Moi, je fais pas de musique pour l'instant, parce que j'ai envie quand même de me mettre un peu au piano. Ouais. Il faut juste voilà, que je trouve un peu de temps, tout ça, mais. Pour en reprendre un, parce que l'autre, il commence un petit peu à donner des signes de fatigue. C'est ça. Et puis pour les fois où t'es pas là, peut-être m'acheter un petit livre ou pour réviser un peu quoi. Oui. Quand t'es pas avec moi, parce que c'est vrai que les bases, c'est toi qui me les donnes. Et puis bah sinon je chante. Okay. Oui, c'est vrai. En musique, ensemble aussi. Ça nous arrive de temps en temps. Et un Bassi qui met j'ai posé. Ah. Très bien, Bassi, GG à toi. GG. De retour chez toi, bah si alors. C'est ça. Retour aux origines. Voilà. C'est marrant, normalement la piste est là et je la vois pas. Ah, là. Elle devrait être là. Ah ouais, je la vois pas, alors bug visuel ou pas, je sais pas. Ça c'est la 9 ça. D'ailleurs, petit bug météo rencontré peu impactant, mais présent avec une zone de changement brusque de vent, en prise perturbant l'autopilote, ça a pris, et générant un peu d'overspeed, ou même de préalerte de stall. Mais rien à voir avec le bug de température d'il y a peu. D'accord. Mm-hmm. Yves, le TICAS s'active sitôt que les IRS sont alignés, car il connaît alors ta position, c'est ça? Alors, visible aussi au sol, mais pas de trafic à l'air au sol. Une chose que je sais, c'est que ton TICAS, tu dois le laisser sur stand-by tant que tu n'es pas arrivé au stop de piste. Par contre, ici, tu peux choisir d'afficher les avions du trafic via ton TICAS quand tu es au sol. Ici. Ah,
très bien si j'oubliais pas le QNH. Ah bah si, à 500 km de chez lui. Enfin, de d'accord. De sa, voilà, de origine, on va dire. 500 km, ok, parce que Alger, c'est à 500 km. De ta famille, d'accord. Ouais, c'est grand. Hein. Mmh. L'Algérie, c'est grand. Ah oui, oui. Astaro, basse pour moi, guitare, chant pour madame. Ah. Ok. La plus grande des filles s'est mise au violon et la plus jeune à la batterie. Eh ben dis donc. Mon plus grand plaisir. Ah, c'est sympa ça. Une famille de musiciens. Et Astaro, du coup, a deux filles. Ok, nice. Il a dit la plus grande et la plus jeune. Ouais, ouais. Ulysse, préparez-vous pour l'atterrissage. Tout à fait, monsieur Ulysse. Uji, tu es sur DX11 ou 12? 11. Pour le moment, je suis sur DX11. Du coup, ce que j'aimerais à Staro pour répondre, bah, voilà, je chante, j'aimerais. Je reprends en manuel. Un peu faire du piano, manuel. Après je demande pas à être une bête en piano, mais avoir quand même quelques basses, quelques notions. Quoi. Oui. Et j'aimerais pouvoir chanter quelques chansons tout en jouant du piano, ça serait top. Hein. C'est clair. Ça serait top. Alors, ma Juju, concentration. Ok. Je fais demi-tour et tu vas pouvoir me sortir le flaps 1. Prends 1. Le 1, alors c'est vous déjà qu'on avait dit, il est au milieu. Non, pas au milieu, je vais te dire, c'est bon. Ça s'affiche là. Un peu en bas. Ok. Donc là, je suis repassé en manuel, les amis. Uji, bonne chance. Merci, Lemou. Merci. Tu as trouvé ta piste? Ouais, elle est là. Donc c'est la 05, c'est ça? C'est ça. Manicule qui est posée. Mmh. Là, si tu veux, je reprends la navigation puisque l'avion ne la suivait plus du tout. Là. D'accord. Mmh. Donc là, t'as repris en manuel? Ouais, okay. Là je suis en manuel. Mmh. Bah oui, il était beau ton demi-tour en manuel. Ben oui. Un peu penché, un peu sec, mais pas mal. Hop, tranquillement. En version stable, nickel. Ok, mon GP. Ok, tu peux me sortir mon deuxième cran de flaps, s'il te plaît. Je vais te dire bientôt le troisième. Je peux sortir mon troisième train. C'est bon. En fait, j'entends un clic. Ouais. Ça me donne un indice. Ouais.
flight attendants, please prepare for landing. Le train ne va pas là. Non, mais c'est pas là. Ah, si, si. Si, c'est bon. Il est en dessous de l'autre. Je sais plus si t'as lu le truc de Strix the Book quand même. Non, comme je suis. Et puis je suis. Ouais, ok, une fois posé, pas eu le temps d'aller au parking que le jeu a crash lol. Ah, rip. Pour le lire. Pour savoir si je pouvais le lire en fait. Mais c'est pas pour que tu le lises. Salut Christophe, comment vas-tu? Bienvenue. Salut Christophe. Désolé si je réponds pas trop au chat là, hein, je suis en full manuel pour le moment. Je suis là parce que là, Alicia me parlait un peu, mais c'est... Ok, on va bientôt faire le tour. Yves, auto-break. Yes. Ok, je vais pouvoir faire mon demi-tour. Tac. Tac. Shelby landing réussi. Super. GG Shelby. Allez, on va réaliser notre demi-tour. Oui, tu refais un demi-tour. Oui. En fait, passes la nave, tu passes au-dessus de l'aéroport pour revenir en fait. Chris, bon atterrissage. Merci Chris. Merci Chris. Valentin, pour info, ceux qui ont des problèmes de crash de MFS, prenez la version d'avant de vos pilotes Nvidia. Christophe, super vol, une copilote au top et un super pilote. Quoi de mieux c'est avec vrai. Une mini hôtesse de l'air. Merci la C'est gentil, merci Christophe. Sébastoche, le jeu a crashé à l'approche. Ah mince. L'atterrissage, oh, avec ta super copilote, c'était sympa ouais. Quand même. J'espère que ça va pas me le faire moi aussi. Ouais. C'est ça. Il y en a qui ont réussi à atterrir, donc oui. J'espère qu'on va en faire partie. Mais bien sûr. Donc le jeu il crash. Hop, tu peux sortir le quatrième cran de flaps, ma chérie. On va commencer à descendre tranquillement. Merci. C'est ça. Mmh. Tout à fait, Juju. Là, quand tu seras aligné, on pourra sortir le train d'atterrissage. C'est ça? Ouais, en grosso modo, oui. Ce petit bruit-là, c'est quoi, Juju? C'est pour me dire de sortir le train d'atterrissage, par exemple. Ok. Mmh. Pour me dire attention, vous n'avez pas encore sorti votre train d'atterrissage. D'accord. Là maintenant tu peux le sortir. Christophe, as-tu eu ce cas? Le plan vol défile automatiquement dans le LCDU. Non, ça ne m'est pas arrivé. T'as peut-être une touche qui est affectée à une des flèches de ton MCDU et qui fait que ça l'active tout le temps, quoi. Après c'est pas grave, je vais me lancer The TER
avec la nouvelle map et me prendre pour Crocodile Dandy. Lol. D'accord. One thousand. La concentration est à son comble. Strix, c'est The Hunter. Ah ok, d'accord, on y avait écrit. Ah oui, c'est vrai, il y a un DLC The Hunter avec la chasse aux crocos, ouais, c'est vrai. Ok Strix. Christophe, merci, mais ça dépend des plans de vol. Ça lui fait pas tout le temps. D'accord, ok. C'est quand même assez fou là. Pour l'atterrissage, vous êtes 67 téléspectateurs en même temps. Ouais. C'est dingue. Merci à vous. 500. Minimum. Continue. Strix, il dit après si tu veux le test, Joe, avec un petit clin d'œil. Non, tu sais, le jeu de chasse, c'est plus trop mon délire. Ulysse, pourquoi tu mets pas des boarding musique? Tout simplement parce que c'est plus simple comme ça. Ouais. 300. 300. Bah, Nickel, je dois te laisser mon Joe encore. Merci pour le stream. Passe une belle semaine. Yes, okay, pas de soucis, l'ami. Gros bibi à toi, merci d'avoir été là. À la prochaine. Un petit vent de travers là, petit coquin. Là, je peux pas t'aider pour quoi que ce soit. Ça fait tout non, seul. Ouais, là, ouais. Tu vois la 0,5, normalement on n'atterrit pas. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a des croix. Ouais. C'est pour ça qu'elle n'était pas dispo. C'est ça. 20. Retard. Retard. 10. 5. Hop, touch. Reverse. Hop. 60. Les reverse, je freine. Bécam. Strix, moi aussi, mais je le lance de temps en temps pour me relaxer avec son ambiance. Voilà. Mmh. Ça, il fait Strix. Ok. Itsugi, atterrissage réussi, bis à tous. Yes, GG à toi. GG et GG, Loulou. Merci. Pour ton atterrissage aussi, en merci. Manuel en plus. Eh oui. Eh oui, merci beaucoup. Uji, il a dit GG, beau. Merci. Manke, GG, docteur. Ah, merci, mon ami. Astaro, et là on applaudit le pilote et la copilote. Clap, 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 merci clap, beaucoup clap, les amis. Ah, surtout merci, le, ça fait le plaisir. Pilote parce que c'est lui qui a fait tout le boulot. Oh, le pilote n'a pas fait grand chose. Ah, si, quand même. Hop, on coupe les strobes. On est reparti pour le roulage. Kriasmar, GG. Merci beaucoup les amis. Yves, les marqueurs sont les balisages d'approche pour te confirmer ta situation. D'accord. De là, le tut, le bruit que ça a fait. Voilà. Ok, très bien. Merci pour toutes ces précisions, pour ceux qui. Ouais, ouais, qui carrément. Des infos en plus. Ça fait plaisir. Bah, bien sûr. Yves, merci pour ce beau vol. Un très beau couple, à la prochaine. Merci Yves. Pas de soucis, merci à toi Yves. Merci pour, merci d'être passé, pour les infos, prochaine. Tout ça, et merci d'être passé. Ouais. À la prochaine, à très très bientôt. Merci à toi. Des gros bisous. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait toujours du bien de faire un petit atterrissage comme ça, full manuel. Où on gère son approche, tout ça, c'est toujours. C'est toujours agréable. Ça réentraîne, enfin ça permet de ne pas perdre la main entre guillemets. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu, tu, tu,
impressionnant quand même. Tiens, on est par ici. Mm-hmm. Astaro, dire que je passe ma vie dans des aéroports et que j'ai seulement repris la simulation il n'y a pas très longtemps. 15 ans sans y avoir retouché. Ah oui, effectivement, ah ouais. Effectivement. T'as été un peu dans mon cas, quoi. C'est-à-dire, j'ai pas travaillé dans un aéroport, mais mon premier simulateur, ouais, après j'ai fait une pause pendant au moins 12 ou 14 ans. Hein. Un peu moins, mais ouais, pas loin, quoi. Ouais. Pas loin. Parce que tous les buts que tu en faisais, on se connaissait, je crois, au tout début de ton modèle, un tout petit. Et donc, tu as quel poste, si c'est pas indiscret, Staro, dans un aéroport? Ricky Jerry, j'ai vu une très belle livrée fonctionnelle Air France aux couleurs des JO 2024 sur Flight Sim. Ok. Pointez-le, pour éviter le strike du bot sur les gars. D'accord. Ok, ça doit être joli, ouais. Ça fait plaisir. La 27e étape du Joe's World Tour va toucher à sa fin. Elle est remplie, réalisée. Nous sommes à Alger, en Algérie. Ça fait plaisir. Alors, Astaro, il est sûreté aéroportuaire. Donc, maître chien, détection d'explosifs. Ok, nice. Ah, intéressant. Intéressant, ouais. Et pas commun. Non. C'est vrai que c'est la première fois dans nos abonnés qu'on a quelqu'un qui fait ce métier-là. Ouais, carrément. Et on en a quelques-uns hein, qui travaillent aussi dans le milieu de l'aviation, dans les aéroports, etc. Bah, ah bah si, par exemple. Voilà. Mais pas ce métier-là. On n'a pas encore pu. Hop. Je vais me mettre à côté des lignes. Je me suis écrasé moi. Oh mince. Oh mince. Désolé pour toi, mais ne t'inquiète pas, il y aura des prochaines fois où ça marchera. C'est ça. Il faut pas baisser les bras, rien n'empêche de le refaire le vol. Pierre, salut, je viens d'arriver, je regarderai le replay. Y a pas de souci, Pierre. Avec plaisir, l'ami. Abassi, on dit quoi? 1, 2, 3, viva l'Algérie. C'est ça, c'est ça, moi, Abassi. Ça y est, on est arrivé. Ah bah si, surtout après la victoire d'hier en quart de la FIFA Arab Cup. Ah ok. Ok d'accord. Coupe de football. Et vous avez gagné, bah c'est cool. J'avoue. Top. Ouais. Bravo l'Algérie. KGT, j'ai fait le fou en chasseur, d'habitude liner K3R. Ok. Ah oui, t'étais en avion de chasse KGT, d'accord. D'habitude t'es en liner. Ah bah si, c'est 1, 2, 3. Oui, je l'ai dit en français, mais oui, on peut le dire en anglais, peu importe. Et les deux fonctionnent. C'est dit en anglais, hein, en vrai. Ouais, mais tout à l'heure on a dit 1, 2, 3, voilà, mais... voilà, hein, ça passe quand même. C'est ça. Ricky, à perso, rien à voir avec les métiers de l'aéronautique aéroport. Non. Non, non. Tous nos abonnés ne sont pas dans le milieu, hein, donc on en a quelques-uns. Ah bah si. Contre le Maroc. Ok, c'était Algérie-Maroc. Et c'est l'Algérie qui a gagné. Ok. Alors, elle n'est plus avec nous. Kimi. Mais Kimi, elle est du Maroc. Ouais, oui, oui, oui. Après, je sais pas si elle suit le foot. Chalbobi, merci encore pour le live. Mais pas de soucis, avec plaisir, mon lapin. Avec plaisir. C'était sympa. Ah oui. Ah bah si, lol, t'inquiète, je suis... Bah c'est bien, si tu n'en veux pas d'avoir dit 1, 2, 3 et nous 1, 2, 3, attends. Non, on est super en retard. Mais non, Alicia. Oui, parce que là, c'est bien ton heure. Bah oui, mais on est bien, on n'a pas fait ça, on est dans les temps. Alicia. Et voilà les loulous. Et voilà. Incroyable, incroyable. 27e étape réalisée sans encombre. Impeccable. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, encore une fois. Ça fait super plaisir, super plaisir. Le soutien. J'en reviens. Vas-y, le monsieur. Soutien de fou. C'est ça. Merci à tous, hein. Franchement. Un grand merci pour votre soutien.
Shell Bobby, merci pour tout. Gerkion, Landine pour moi. Grosse boucle pour l'ILS en 09. Ok, Gerkion. Eh bien, en tout cas, bravo pour avoir atterri. Fabrice, merci encore pour la compagnie. Cela est agréable. À la prochaine. Il n'y a pas de quoi, Fabrice. Merci à toi d'être passé. Et tant mieux aussi. Si t'as apprécié ce moment. Je ne sais pas si tout le monde a atterri ou si on a encore à atterrir. En tout cas, il y en a déjà pas mal d'arrivées, ça c'est sûr. Friki, d'ailleurs, je ne trouve aucune scène pour le moment pour DAAG. Allez, boulot, boulot. Yves, un peu regrettable, l'éclairage intérieur des affronts sont manquants sur MFS 2020. Espérons un update. Bonne soirée au prochain vol. Merci à toi Yves et bonne soirée à toi aussi. Et à la prochaine. Thibaut, merci à vous deux pour ce vol bien sympa et aux autres, bien sûr, bonne soirée à vous trois. Merci Thibaut, bonne soirée à toi aussi. Gerkion, moi en cours. Ok Gerkion, pas de souci. Astaro, merci pour le stream, chouette découverte du jour. Hâte de voir le prochain. Merci Astaro, merci à toi. Du coup, j'ai demandé s'il y en a qui devaient encore atterrir. Donc, Gerkion, il m'a dit que lui, c'est en cours. Ok. Sinon, j'ai vu que la plupart étaient. Du coup, la plupart, c'est déjà fait. Ouais. Déjà atterri. Impeccable. Impeccable. C'est super tout ça. C'est super. Je crois qu'il y avait des demandes de. What? Oh! Ah oui, en effet. T'as pas qu'une demande d'amis, là. Ah oui. Ça promet encore des accompagnateurs dans tes vols, ça. C'est ça, c'est ça. Il va y avoir du monde. Hein. Et Astaro, il nous a mis encore un message. Il a mis merci pour le stream. Chouette découverte du jour. Hâte de voir le prochain. C'est bah, pas de soucis. Franchement, c'est très gentil de ta part. Merci à toi. Ah, accepté. Pas. Ouais, ça passe pas bizarre. Quand je vais revenir au menu, je pense. Enfin voilà les amis, voilà. En tout cas j'espère que cette 27e étape vous a plu. Ah il y a quelqu'un qui est en hélice, je sais plus comment il s'appelle cet avion là. T'as vu? Ah ouais. Je sais plus comment ça s'appelle, un gyro quelque chose ou... Je sais plus. Ok les amis. Bon bah voilà. Hein. Hop. Touk. Je reprends ça. Voilà. Hop, je règle. Touk. Tac. Et ok. En tout cas, merci à vous d'être venu sur le live. Malheureusement, il touche déjà à sa fin. Ça passe vite. Un gyrocopter. Ouais, voilà, c'est ça, JP. Merci. Ou gyropode de la part de Yves. Ok. Merci à vous, en tout cas. Ça m'a fait plaisir. Merci à tous ceux qui sont venus discuter dans le chat en notre compagnie. Franchement, merci. C'est vraiment excellent. On kiffe discuter avec vous. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Ça nous a fait super plaisir. Merci à Shell Bobby. Pat pour leur don sur la chaîne, merci beaucoup, ça fait super plaisir, merci de votre soutien et merci à Shell Bobby et Gwen pour leur host sur la chaîne, merci beaucoup, ça fait super plaisir, merci à vous, merci à tous ceux qui ont partagé le vol sur le jeu en notre compagnie également, ça nous fait super plaisir, c'est toujours un bonheur et merci aux modérateurs qui font toujours un excellent travail sur la chaîne, un gros GG à eux. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, ma chérie? Oui, pareil, je veux remercier tout le monde tous ceux qui sont passés sur le live, qui sont venus nous faire des coucou, qui ont discuté avec nous sur le chat. Merci aussi à tous ceux qui t'ont accompagné pendant ce vol, donc aussi bien les liners que les chasseurs. Tout à fait. Merci aussi, comme tu as dit, pour les dons, pour les hosts, merci aussi pour les follow. Ouais. Les nouveaux follow, bienvenue dans l'équipe Blue Lady Coach Sharks. Et puis voilà, et merci encore de votre soutien, de votre bienveillance. Tout à fait. On vous souhaite une excellente soirée, une bonne fin de week-end. On vous dit bon courage pour ceux qui travaillent cette semaine, ou qui vont en cours, ou voilà, peu importe. C'est la dernière ligne droite avant les vacances scolaires. Tout à fait. Pour ceux qui sont encore à l'école ou en études. Après, on sera aussi proche des fêtes de fin d'année, Noël et Jour de l'An vont approcher à grands pas. Donc, d'ici là, je pense que moi, je repasserai quand même sur un live. Tout à fait. En tout cas,
On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à la prochaine. C'est ça, c'est ça. Et voilà, bien posé, GG à toi, Oudji. JP, merci pour le live. Bonne soirée et bonne semaine. Ciao, merci à toi aussi, l'ami. Please Fos à toi. Chez le Bobby, en tout cas, je vous dis une bonne soirée à vous trois. Merci encore pour tout. Et je vous dis à la prochaine. Et ben, à la prochaine. Merci, merci à toi, mon chez le Bobby. Merci de ta générosité, ça fait plaisir. JP, bonne soirée. Bonne soirée à toi, l'ami. Roland, merci pour ce beau vol. À la prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Ciao, ciao, mon Roland. Merci d'avoir été là. Gros bisous à toi. Et Ponae, merci pour le stream. Bonne soirée. Bonne soirée à toi également. Merci à toi. Olivier, merci, mais de rien, avec plaisir, l'ami. Freaky Jerry, très bon live, j'essaierai de me joindre à vous pour la prochaine étape. Ben, y a pas de souci, avec grand plaisir, l'ami. Vitality, merci beaucoup, ça fait plaisir. Jarkion, bye bye, mon petit Jarkion, merci d'avoir été là. Fabrice, à la prochaine, après les fêtes, car dimanche prochain, je vais à Blagnac, Aéroscospia. Et le dimanche d'après, je vais sur Copenhague. Okay, ok, très bien. Gros bisous à toi, en tout cas. Merci d'avoir été là. Bonne soirée à vous trois. Merci, Fabrice. Ça fait plaisir. Vitality, apprenez-moi sur Airbus A320 Neo, s'il vous plaît. N'hésite pas sur ma chaîne YouTube. Regarde, j'ai fait plein de tutos dessus. Et puis, n'hésite pas à rejoindre le Discord. Tu as plein de monde qui connaît également, où on échange beaucoup d'informations. Voilà. Secret Rem, yo, et salut à toi. Malheureusement, c'est la fin du live. Ouais. Merci de passer. En tout cas, ça fait plaisir. Le live est en rediff permanente sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à y aller. Voilà, les amis. Prenez soin de vous. Surtout en ce moment, profitez de la vie parce que vous en avez qu'une seule. Merci beaucoup d'avoir regardé la chaîne de Blue Lady et Cool Sharks. On se dit à très, très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao tout le monde. Fly safe. Peace, les amis. Find my way back home.